إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc en cette soirée du mercredi 29 Dhul Hijjah 1433 de l'Hégire, c'est-à-dire le 14 novembre 2012, c'est le septième cours, Inch'Allah Ta'ala, du livre « Ainsi étaient nos pieux prédécesseurs ». Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va parler de l'importance accordée à la prière, le recueillement dans la prière et l'importance de la prière de la nuit chez les salafs. On commence, Inch'Allah Ta'ala, par l'importance accordée à la prière. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه a dit: le fidèle en prière frappe à la porte. Qu'est-ce qu'il fait? Il frappe à la porte. Et celui qui frappe fréquemment à la porte du roi, on lui ouvre. Je répète, le fidèle en prière, qu'est-ce qu'il fait? Il frappe à la porte. Et celui qui frappe fréquemment à la porte du roi, on lui ouvre. Donc celui qui prie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à chaque fois qu'il prie, naam, donc c'est comme s'il avait frappé à la porte de son Seigneur. Naam. Ici ils ont dit, c'est comme quelqu'un qui frappe à la porte du roi. Et le roi, yani, à force que on frappe à sa porte, il va ouvrir. Imaginez Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que quelqu'un qui n'a pas, qui ne prie pas, c'est vraiment grave pour lui. En ce sens que dans cette dunya, il n'a pas de lien. Il n'a pas laissé de relation entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne va pas frapper à sa porte. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala ne lui ouvre pas aussi. Pourquoi? Parce qu'il ne vient jamais frapper à sa porte. Quelqu'un qui n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala, surtout dans la salat, c'est quelqu'un qui quoi? C'est quelqu'un qui est orgueilleux. Ça veut dire, c'est comme s'il l'a dit, mais il ne l'a pas dit, mais il l'a dit avec ses actes. Il ne l'a pas dit avec sa langue, mais il l'a dit avec ses actes. C'est comme s'il a dit, Ya Allah, j'ai pas besoin de toi. Moi, je peux vivre, manger, boire, dormir tout seul. J'ai pas besoin de toi ni de ton aide. A'oudou billah. Al-Hassan ibn Najih Al-Raqashi rahimahullah rapporte, il a dit, j'ai entendu Al-Hassan dire, ô fils d'Adam, dis-moi ce qui de ta religion te sera pénible si la prière t'est facile. Je répète, ô fils d'Adam, dis-moi ce qui de ta religion te sera pénible si la prière t'est facile. En fait, c'est vrai. Non. Si Allah subhanahu wa ta'ala facilite à quelqu'un la prière, donc il n'y a pas autre chose qui sera difficile pour le serviteur. Car en fait, c'est la prière qui est plus ou moins difficile. Et encore, elle n'est difficile que pour qui? Ceux qui, yani, ne la font pas, disons avec sincérité, ou bien ceux qui ne sentent pas le khushu' dans la salat. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans un verset, il a dit "Usta'inu bis-sabri was-salah wa inna lakabiratun illa lil-khashi'in." Usta'inu bis-sabri was-salah
Et cherchez secours dans l'endurance, sabr, et la salat. Certes, la salat est une lourde obligation, sauf pour les humbles. Les humbles, ici, dans le sens de l'khashi'in. Allah Ta'ala dit l'khashi'in, c'est-à-dire ceux qui ressentent le khushu' dans la salat. Quand quelqu'un ne ressent pas le khushu' dans la salat est une lourde obligation pour lui. C'est Allah Ta'ala qui l'a dit. Il a dit, certes, la salat est une lourde obligation. Il a dit, sauf pour ceux qui ont le khushu'. Quand quelqu'un a le khushu', s'il pouvait, il ne s'arrêterait pas de faire la prière. S'il pouvait, il prierait des heures et des heures, tellement ça lui plaît. Mais s'il n'y a pas de khushu', qu'est-ce que ça devient pour lui? Une montagne, une montagne. Il voudrait vite bâcler la salat. Il voudrait vite bâcler la salat. Donc il lui a dit ici, dis-moi, quoi de ta religion te sera pénible si la prière t'est facile? La prière qui est la chose, l'obligation la plus lourde. Si maintenant elle te devient facile, et c'est Allah Ta'ala qui te l'a rendu facile, ça veut dire que toute autre chose va devenir facile, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Car la prière, vous avez remarqué, ça demande des efforts. Naam, tu vas te lever. Tu vas aller, naam, yani, au robinet. Ensuite, tu vas quoi? Tu vas faire des ablutions, tu vas te mouiller. Et peut-être tu vas avoir froid. Et tu vas mouiller aussi tes vêtements avec toi. Et avant cela, peut-être c'est pas obligé, peut-être tu dois passer par les toilettes. Naam. Et ensuite, naam, yani, tout cela pour pouvoir prier. Tout cela pour pouvoir prier. Donc, si Allah subhanahu wa ta'ala ne te facilite pas la prière, tu trouveras que cela est une chose très difficile. Tu vas dire, non, vraiment, yani, c'est difficile à chaque fois d'aller comme ça et de faire les ablutions et ceci, cela. Et c'est pour cela que beaucoup de gens, yani, délaissent la prière. Naam. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala te facilite la prière, c'est toi qui trouveras un grand plaisir à la faire. Naam. Tu trouveras un grand plaisir à la faire. On en reparlera de cela, inshallah ta'ala. Muslim al-Makki, rahimahullah, rapporte. Il a dit, j'ai vu Ibn Zubayr. Vous connaissez Zubayr Ibn al-Awwam, le grand sahabi. Celui-là, c'est son fils, hein? Ibn Zubayr, le neveu de Aïcha, radiallahu ta'ala. J'ai vu Ibn Zubayr s'incliner. J'ai alors récité les sourates Al-Baqara, Ali Imran, An-Nisa et Al-Ma'ida. Et il ne s'était toujours pas relevé de l'inclinaison. Qu'est-ce qu'il a? J'ai vu Ibn Zubayr s'incliner. J'ai alors récité Al-Baqara, Ali Imran, An-Nisa et Al-Ma'ida. Et il ne s'était toujours pas relevé de l'inclinaison. C'est ce que je disais tout à l'heure. Yani, quand ils s'inclinaient, ils avaient quoi? Ils avaient un grand khushu', un grand plaisir, un grand délice quand ils étaient dans l'inclinaison ou bien quand ils étaient dans la prosternation. Ibn Wahb rapporte, rahimahullah, il a dit, j'ai vu Sofiane Thawri, rahimahullah, mosquée sacrée, la prière du Maghrib. Il a accompli la prière, c'est-à-dire deux rak'at après le Maghrib. Il a dit, il a accompli la prière, il s'inclina une première fois, et il ne s'était pas encore relevé qu'on a appelé à la prière du Isha. Donc, il a voulu faire deux rak'at, rahimahullah. Quand il s'est incliné la première fois, il ne s'était pas encore relevé qu'on a déjà appelé à Salat al-Isha. Ça veut dire que il pouvait rester comme ça une heure, deux heures, incliné, en train de dire Subhan Rabbil Azim, Subhan Rabbil Azim, Subhan Rabbil Azim, Subhan Rabbil Azim, wa bihamdi. Et comme ça, il pouvait rester des heures. Abdan Rahimullah rapporte, il a dit, Udba ibn Khalid glorifie Allah Azza wa Jal lors de l'inclinaison et de la prosternation plus de 30 fois. Naam. Il a dit, Hudba ibn Khalid, rahimahullah, glorifie Allah Azza wa Jal lors de l'inclinaison et de la prosternation plus de 30 fois.
Je dis surtout dans Salat Nafila. Salat Nafila. Nous maintenant on a tous pris quoi? On a pris l'habitude que yani maximum 3 fois. Maximum Subhan Rabbil A'la, Subhan Rabbil A'la, Subhan Rabbil A'la et il se lève de la prosternation. Alors qu'en fait dans la Nafila, plus tu peux yani tarder, plus c'est mieux pour toi. Plus tu peux rester, tu peux faire le tesbih 10 fois, 20 fois, 30 fois, 40 fois, plus c'est mieux pour toi. Surtout pour la prière de la nuit, bi'idhnillahi ta'ala. Ahmed ibn Hanbal rahimahullah, que vous connaissez tous, rapporte, il a dit, pas un jour ne passait sans que Ibn Bazzar n'accomplisse le bien. Jamais un jour ne passait sans que quelqu'un des salafs qui s'appelle Ibn Bazzar n'accomplissait le bien. Il a dit, c'est Ahmed ibn Hanbal qui dit, il a dit, nous nous rendions chez un tel et nous nous asseyons pour étudier jusqu'à ce que l'enseignant arrive. Il a dit, alors que Ibn Bazzar, qu'est-ce qu'il faisait? Accomplissait la prière. Il a dit, il ne laissait, oh, ce Ibn Bazzar, rahimahullah, il a dit, il ne laissait aucun moment yani, passer comme ça dans le vide. Il a dit, on allait chez quelqu'un pour apprendre la science. Il a dit, le temps qu'on s'asseyait, que yani, celui qui nous enseigne, le temps qu'il vienne, 5 minutes, 10 minutes, je ne sais pas combien de temps, il a dit, Ibn Bazzar, qu'est-ce qu'il faisait? Il priait. Il se levait et priait Nafila. Subhanallah al-Azim. Mohamed ibn Youssef et ses compagnons, Mohamed ibn Youssef et ses compagnons, pour se reposer, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils accomplissaient la prière. Ils accomplissaient la prière. D'ailleurs, le prophète Aslam, c'est connu de lui que, quand il était fatigué, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, Ya Bilal, il lui disait, Aqim salat, viens on prie, c'est-à-dire, fais la iqama pour qu'on prie, lui dit, pour qu'on se repose. Ya Bilal, repose-nous avec la salat. Repose-nous par la salat, c'est-à-dire en faisant la salat. C'est pas, viens, on va faire la salat pour se reposer. Viens, on termine la salat et je vais me reposer. Quand quelqu'un va dire, par exemple, va dire, vite, vite, venez, on va faire salat l'Isha pour, inchallah, se reposer, aller voir le film. Pour aller voir le film. Venez, on va se prier pour y aller. Disons, se vider, si je puis dire, pour être inoccupé après. Mais le prophète Hassan faisait le contraire. Il disait, on est fatigué, donc viens, on va prier pour Inch'Allah Ta'ala se reposer, pour se reposer dans la salat. C'est pas quand on termine, non, pour qu'on se repose dans la salat. Abu Bakr, rahimahullah, rapporte. Il a dit, Asim ibn Abi An-Nujud était un bon adorateur qui priait continuellement. Lui arrivait parfois de sortir pour un besoin. Il lui arrivait parfois de sortir pour un besoin dans la rue. Et lorsqu'il voyait une mosquée, il disait quoi? Il disait, faisons un détour. Faisons un détour, c'est-à-dire pour aller à la mosquée. Car ce dont nous avons besoin ne s'en ira pas. Et il entrait alors dans la mosquée pour prier. Allahu Akbar. Celui-là, c'était vraiment, rahimahullah, Abou Bakr, vraiment un grand adorateur. Même quand il sortait dans la rue pour aller acheter quelque chose ou un besoin, s'il voyait une mosquée, il ne pouvait pas patienter. Il disait quoi? Il disait la chose pour laquelle on est sorti, elle ne va pas partir. Si c'est le pain, on va l'acheter après. Si c'est le lait, on va l'acheter après. Il ne va pas partir. Mais à l'enfer, il a dit, à l'enfer, inchallah, quelques rak'at dans la mosquée. Il rentre dans la mosquée. Il fait 2 rak'at et il sort. Nafi'a, rahimahullah, Nafi'a, le valet de Abdullah ibn Omar, radiyallahu ta'ala, nous rapporte. Il a dit, lorsque Abdullah ibn Omar, radiyallahu ta'ala, nous manquait la prière du Isha en groupe, il priait toute la nuit. Lorsque Abdullah ibn Omar, radiallahu, qu'on n'est pas le grand tabi'i, Saïd ibn al-Musayyib, rahimahullah. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, depuis 30 ans, le muezzin n'a pas appelé à la prière sans que je ne sois dans la mosquée. Ça fait 30 ans,
que à chaque fois que il y a le adhan de la prière, je suis dans la mosquée, je ne suis jamais dehors pendant 30 ans. À chaque fois qu'il y a l'adhan, alhamdoulilah, je suis à l'intérieur de la mosquée. Ibrahim Taymi, rahimallah, a dit, Ibrahim Taymi, rahimallah, a dit, si tu vois un homme négliger d'arriver pour le premier takbir de la prière, lave-t'en les mains. Si tu vois un homme, il a bien dit un homme, pas une femme. La femme, c'est pas obligatoire pour elle d'aller à la mosquée. Il a dit, si tu vois un homme négliger d'arriver pour le premier takbir de la prière, takbir ihram, il a dit alors, lave-toi les mains. Lave-toi les mains de cette personne. C'est-à-dire, il ne faut pas attendre d'elle du bien. Pourquoi? Car cette personne n'est pas soucieuse en ce qui concerne le premier takbir. Elle s'en fout. Elle dit, off, laisse-les faire le takbir. Moi, l'essentiel, c'est la prière du groupe. Même si je rentre dans la deuxième raka'a, pour moi, c'est la même chose. Comme ça, certains disent. Al-Muhim, c'est que je prenne avec eux la récompense de la salat du groupe. Mais ils ne connaissent pas l'importance de takbirat al-ihram. Ils ne connaissent pas l'importance de takbirat al-ihram. Alaykoum salam. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith authentique, a dit, Naam, à takbirat al-ihram, arrive à takbira, c'est-à-dire il est présent lorsque l'imam dit Allahu Akbar pour la salat, il est présent. C'est pas il dit Allahu Akbar, l'imam, et lui il rentre dans la mosquée, non. Il arrive avec eux, c'est-à-dire quand il est présent, quand l'imam dit Allahu Akbar, lui il dit derrière lui Allahu Akbar. Il a dit, quiconque peut faire comme ça dans les cinq prières, pendant 40 jours, 40 jours consécutifs, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera quoi? Il lui donnera deux choses. Deux choses. La première, un désaveu, l'âme, un désaveu de l'hypocrisie. Et deuxièmement, il ne rentrera pas en enfer. Deux choses. Il a dit quiconque, un désaveu du feu, un désaveu de l'hypocrisie. Quiconque, pendant 40 jours consécutifs, ne rate pas le premier takbir de la salat avec l'imam. Le premier takbir de la salat avec l'imam. Hadith authentifié par Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Pour que vous sachiez qu'est-ce que ça veut dire le premier takbir avec l'imam. Ubaydullah ibn Abi Sulayman. Ubaydullah ibn Sulayman ibn Muawiya, rahimallah, rapporte. Il a dit, notre grand-père a usé deux tapis. Et il en usait un troisième. Il a dit, lorsqu'il mourut, au niveau de ses genoux, son visage et ses mains, en raison du grand nombre de ses prières. Et self, yani, en raison du grand nombre de leurs prières, qu'est-ce qui leur arrivait? Il leur arrivait d'user des tapis, deux, trois tapis. Non. Car à chaque fois que tu mets tes genoux dessus, à chaque fois que tu mets tes mains dessus, à chaque fois que tu poses ton front dessus, à chaque fois que tu t'assois dessus pour prier, le tapis s'use. Non. Donc c'était pour eux, il y en a une grande ni'ma, quoi, d'user des tapis pour la salade, pour la salade. Non. Yaqub rahimallah rapporte d'après son père. Abdelaziz, il a dit, Abdelaziz ibn Marwan envoya son fils à Médine. Abdelaziz ibn Marwan, yani l'émir, vous connaissez, envoya son fils à Médine afin qu'il y soit éduqué. Et il écrivit à Salih ibn Kisan afin qu'il s'en occupe. Occupe-toi de mon fils, inshallah ta'ala, pour qu'il soit bien éduqué dans le din. Ce dernier donc lui imposait à son fils, au fils de l'émir, il lui imposait de prendre part aux prières. Il lui imposait de prendre part aux prières. Et un jour, il arriva en retard. Alors son enseignant lui dit, qu'est-ce qui t'a retenu? L'autre a répondu, ma coiffeuse prenait soin de mes cheveux.
puisqu'il est le fils de l'émir, bien sûr qu'il a une coiffeuse. Il lui a dit, ma coiffeuse, prenez soin de mes cheveux. Alors l'enseignant lui a répondu, il lui a dit, celle qui s'occupe de tes cheveux, celle qui s'occupe de tes cheveux a atteint un tel rang que tu lui donnes priorité sur la prière. C'est une question, hein? Est-ce que celle qui s'occupe de tes cheveux a atteint un tel rang que tu lui donnes priorité sur la prière? Il en rendit compte à son père qui le fit mander. Et il ne lui adressa la parole qu'après lui avoir rasé les cheveux. Et il ne lui adressa la parole qu'après lui avoir rasé les cheveux. Non. Omar ibn Sa'd al-Hafari, rahimahullah, tarda un jour à sortir de chez lui pour la prière en commun. Puis, il sortit et dit, il a dit, je m'excuse. Hein, parce que pourtant, peut-être les gens vont dire pourquoi celui-là il tarde, pourquoi celui-là n'est pas venu. Il a dit, je m'excuse. Mais je n'avais que ce vêtement. J'ai accompli la prière avec celui-ci, puis je l'ai donné à mes filles pour qu'elles prient. Puis ensuite, je l'ai repris et je suis sorti vous trouver. Non, je m'excuse, je n'ai que ce vêtement. J'ai accompli la prière avec ce vêtement. Ensuite, je l'ai donné à mes filles pour qu'elles prient. Ensuite, je l'ai repris et je suis sorti vous trouver. Mohammed ibn Sama'a. Et Mohammed ibn Sama'a, rahimahullah, a dit, pendant 40 ans, pendant 40 ans, je n'ai jamais manqué le takbir, le premier takbir de la prière. Sauf le jour où ma mère est décédée. Sauf le jour où ma mère est morte. Et j'ai ensuite prié 25 fois, cherchant ainsi à atteindre la multiplication de la récompense que compte la prière en commun. Il a dit, pendant 40 ans, je n'ai jamais raté le premier takbir de la prière, sauf le jour où ma mère est morte. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai prié 25 fois. J'ai prié 25 fois, ainsi, cherchant à atteindre ainsi la multiplication de la récompense. On rapporte que Ibn Khafif, rahimahou, souffrait de la hanche. Il avait vraiment mal à la hanche. Et parfois cela l'empêchait de bouger. Parfois cela l'empêchait de bouger. Si bien que lorsqu'on appelait à la prière, qu'est-ce qu'il faisait? Il se faisait porter sur le dos de quelqu'un. Allahu Akbar. Vous voyez que nous, juste un petit rhume, je parle des hommes, des frères. Peut-être un petit rhume, il dit je pars pas à la mosquée. Alors que les selles, vous savez que, yani, on les prenait entre deux hommes. Certains malades, on les prenait entre deux hommes. Un homme à droite et un homme à gauche, et lui au milieu, jusqu'à ce qu'on le dépose à la mosquée, comme c'est dans Sahih al-Bukhari. Celui-là, rahimahullah, il avait quoi? Il avait mal à la hanche. Donc il se faisait porter sur le dos de quelqu'un. Alors on lui a dit, tu devrais te ménager. Hein? Tu devrais te ménager, subhanallah. C'est pas obligé pour toi de venir à la mosquée. Tu peux prier à la maison, inshallah ta'ala, tu as une excuse. Et il répondit, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, si vous entendez, venez à la prière, hayya al-salah, hayya al-salah, et que vous ne me voyez pas dans le rang, alors cherchez-moi au cimetière. Naam, je vous apprends dès maintenant. Si jamais vous entendez l'adhan qui dit, viens à la prière, venez à la prière, hayya al-salah, et que vous ne voyez pas avec vous dans les rangs, alors sachez que je suis mort. Je suis dans le cimetière. C'est la seule excuse. Il a dit, yani, ou bien, qui est pour moi une permission de prier à la maison. Sauf si je meurs. Sinon, je suis avec vous, inchallah ta'ala, dans les rangs. Moussa Ibrahim Allah rapporte. Il a dit, Amir ibn Abdullah entendit le muezzin alors qu'il rendait l'âme. Il dit, c'est-à-dire il était dans l'agonie, il a entendu l'adhan, il a dit, prenez ma main. On lui a dit, mais tu es souffrant. Il a dit, j'entends le muezzin et je ne lui réponds pas. Ils prirent sa main, il entra en prière avec l'imam, c'est-à-dire il alla à la mosquée, subhanallah.
il rentre avec l'imam pour le maghrib, il accomplit une inclinaison, il est tombé mort. Sofiane ibn Uyayna rahimahullah il a dit fait partie du respect, fait que d'arriver avant l'iqama, fait partie du respect dû à la prière. Si vraiment tu respectes la prière, alors fait partie de cela que tu arrives à la prière où il n'y a pas. Ça doit être un principe général. Certains frères, ils restent devant la porte de la mosquée, jusqu'à quoi? Jusqu'à ce qu'ils entendent l'iqama. Ils sont dehors en train de discuter. Peut-être même football. Football ou bien commerce, ou bien j'ai acheté, ou bien je me suis marié, ou bien j'ai fait ceci, je fais cela. Tu lui dis, viens, on rentre à la mosquée, on prie deux prières et on attend l'Iqama. Il te dit, non, je préfère l'attendre de dehors. Jusqu'à ce qu'ils disent, haya salat, pour qu'il rentre. Khatram salat, khatram salat, pour qu'il rentre. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, fais partie du respect de la prière. Que tu sois dans la mosquée avant l'Iqama. Que tu sois dans la mosquée avant l'Iqama. Muhammad ibn Wasi' rahimahullah a dit, Muhammad ibn Wasi' rahimahullah a dit, il ne reste en ce bas monde rien de plus délectable, c'est-à-dire où on trouve le plaisir, les délices, la jouissance, que la prière en commun et la rencontre des frères. Il a dit, dans ce monde, il ne reste que deux choses où on peut trouver des plaisirs et des délices. C'est la prière en commun et la rencontre des frères. La rencontre des frères, aussi la rencontre des sœurs, bien sûr. Mais à condition que la rencontre soit pour Allah subhanahu wa ta'ala. La rencontre pour Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour la médisance. Si la rencontre, c'est pour parler des versets, des hadiths, et ce qu'on dit les savants, et yani de l'islam en général, ça c'est une rencontre fidèle subhanahu wa ta'ala. Une rencontre entourée par des anges qu'on ne voit pas. Une rencontre qui, lorsqu'on se sépare d'Allah subhanahu wa ta'ala, a abiou et enlevé tous les péchés bidna et ta'ala. Non, ça c'est la vraie rencontre. Mais la rencontre où on se rencontre pour critiquer, pour yani, faire la médisance, etc., c'est une très mauvaise rencontre. Il vaut mieux être seul. Vaut mieux être seul qu'avec des frères ou des sœurs pareils. Si tu es seul, Alhamdulillah. Faqad istabra'ta li dinik wa li 'ardik. Si tu es seul. Naam. Au moins, il n'y a pas de péché. Mais il y a des gens, ou a'oudou billah, si on s'assoit avec eux, on a des péchés. Saïd ibn al-Musayyib, rahimahullah, a dit, le temps d'accomplissement de la prière n'est jamais arrivé sans que je m'y sois préparé. Et pas une obligation ne s'est présentée à moi sans que je la désire, alhamdoulilah. Et aucune obligation ne s'est présentée à moi sans que je la désire, alhamdoulilah. Muhammad ibn al-Mubarak, rahimahullah, rapporte. Il a dit, lorsque Saïd ibn al-Abdulaziz, rahimahullah, manquait la prière en commun, il pleurait. Allahu Akbar. Lorsque Saïd ibn al-Abdulaziz manquait la prière en commun, il pleurait. Prenez un mouchoir et s'essuyez les larmes. Regardez la sincérité. Naam. Quand il manque, il arrive à la mosquée, il trouve les gens qui sont déjà sortis. Qu'est-ce qu'il faisait? Il pleurait, rahimahullah. Tellement il sentait qu'il avait manqué à quelque chose de très 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 important. Lorsque Ibrahim ibn Maymoun al-Marouzi, rahimahullah, levait son marteau pour frapper par exemple un clou, et lorsqu'il entendait l'appel à la prière, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'arrêtait sans même frapper ce coup. Non. Autrefois, il lève le marteau pour frapper par exemple un clou, pour enfoncer un clou, il entend l'appel à la prière, il arrête. Il dépose le marteau et va aller quoi? Va aller prier. Regardez maintenant les commerçants. Si jamais, Naam, au moment de l'appel à la prière, il y a des gens qui viennent acheter, etc., qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, mais allez, je vais prier après. Yani,
une occasion pareille. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui vient acheter, beaucoup de clients, donc je ne vais pas laisser l'occasion passer. Il va dire, quant à la prière, j'ai tout le temps, alhamdoulilah. L'or, c'est long, l'or, c'est long. Tu as du l'or jusqu'au as. Tout ça s'appelle l'or. Allez, après, je prie, inshallah ta'ala. Les salaf, non. Quand ils entendent l'appel à la prière, tout est terminé. C'est pour ça que l'adhan, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Allahu Akbar. Akbar, ça veut dire plus grand. C'est plus grand que ton commerce et que tes enfants et ta femme et tout ce que tu possèdes. Naam. On surnommait Bishr ibn al-Hassan. On surnommait Bishr ibn al-Hassan l'homme du rang. On l'appelait l'homme du rang. Pourquoi? Car il s'est toujours tenu au premier rang de la mosquée de Bassora pendant 50 ans. C'est pour ça que on l'a appelé yani, l'homme du rang. Rajoul Saf. Il s'est toujours tenu au premier rang de la mosquée, celle de Bassora, pendant 50 ans. Subhanallah l'adhim. Premier rang. Hein, ceux qui ne savent pas quelle est l'importance du premier rang et qui croient que le dernier rang ou là, le premier, c'est la même chose. Ou bien être au quatrième rang, ou bien au premier, ils disent c'est la même chose. C'est pour cela que malheureusement, tu trouves des frères à la mosquée, ils vont tout au fond de la mosquée. Ils s'adossent contre le mur et, par exemple, ils attendent une salat. Ils attendent pas une salat Isha. Ensuite, le temps va arriver, salat Isha. Et le premier rang va s'emplir, il n'y a plus de place. Et eux, ils sont toujours derrière, en train de discuter. Et ils attendent l'Iqama, quand l'Adhan, quand le mot Adhan dit. Ils se lèvent et ils prient là. Où est-ce qu'ils prient? Là où ils sont, ou bien ils vont rentrer dans le quatrième, cinquième rang, yani dans le dernier rang de Mohammed, ils vont prier là-bas. Et ils ne savent pas quelle est l'importance du premier rang. Ils ne savent pas que Allah subhanahu wa ta'ala, wa malaikatahu, et ses anges, prient sur le premier rang. Allah ta'ala et ses anges prient sur le premier rang. Ça veut dire sur les gens du premier rang. Si tu savais que ça veut dire le premier rang, si tu savais, quelqu'un te dirait, écoute, je viens d'acheter la dernière voiture, je voudrais te la donner et laisse-moi prier à ta place dans le premier rang. Va-toi là-bas dans le quatrième rang et laisse-moi le premier rang, juste pour ça, Richard. Je te donne ma voiture. Si tu savais l'importance du premier rang, tu dirais non. Jamais je ne suis pas fou, je te laisse le premier rang. Jamais. Non. Waqi'a rahimahullah rapporte. Afwan, Sa'ib ibn Musayyib, toujours rahimahullah, dit, écoutez ce qu'il a dit. Je n'ai jamais rencontré des gens revenir de la prière depuis 40 ans. Je n'ai jamais dans ma vie rencontré des gens revenir de la prière depuis 40 ans. À chaque fois que je vais à la mosquée, c'est-à-dire j'arrive à l'heure. Car si tu retardes, qu'est-ce qui peut arriver? Il se peut arriver que tu arrives, là c'est trop tard, les gens sont sortis. Lui il a dit, Alhamdoulilah, depuis 40 ans, je n'ai jamais rencontré des gens revenir de la mosquée. Alhamdoulilah, c'est une grande ni'ma. Waqi'a rahimahullah rapporte, il a dit, l'A'mash, très connu, grand tabi'i, avait près de 70 ans. L'A'mash avait près de 70 ans. Et il ne manquait jamais le premier takbir. Waqi' dit, il a dit, je suis resté auprès de lui, auprès de l'A'mash, pendant 2 années. Et je ne l'ai jamais vu rattraper une unité de prière. Je suis resté avec lui pendant 2 années. Je ne l'ai jamais vu rattraper une unité de prière. Naam. Taïb, on va passer, inshallah ta'ala, maintenant au chapitre recueillement, le recueillement dans la salat, inshallah ta'ala, le recueillement dans la salat. Sa'd al-Khayr, rahimahullah, Sa'd al-Khayr, rahimahullah, a dit, ô mon enfant, accomplis parfaitement les ablutions et accomplis la prière à la manière de celui qui fait ses adieux, comme si tu ne pouvais plus jamais accomplir d'autres prières. Donc regardez quelqu'un qui donne des conseils à son fils. Qu'est-ce qu'il lui dit? Oh mon enfant, accomplis parfaitement les ablutions. Les ablutions, il faut, inshallah ta'ala, les parfaire.
faut les parfaire. Ce n'est pas créer de l'eau dans sa bouche et son nez. Et dans sa bouche de façon à ce qu'il fasse, yani, fasse passer l'eau dans sa bouche de droite à gauche. Hein, dans la joue gauche, la joue droite, l'intérieur de la bouche, bien sûr. Et ensuite, il crache. Il y en a d'autres, qu'est-ce qu'ils font? Il prend comme ça juste un peu d'eau, une goutte comme ça dans sa main, et il la pose, comme ça, il pose sa main sur sa lèvre, et il crache. Et il croit que, il a fait rentrer l'eau dans sa bouche. Elle-même, il a dit, oh mon fils, accomplis parfaitement les ablutions. Et, deuxième chose, deuxième conseil, accomplis la prière à la manière de celui qui fait ses adieux. Comme si tu ne pouvais plus jamais accomplir d'autres prières. Car quelqu'un qui va faire la prière, imaginez, imaginez, quelqu'un, yani, on l'a condamné à mort. On lui a dit, c'est quoi ton dernier vœu? Il a dit, je vais faire deux rak'at. Imaginez comment qu'il va faire ces deux rak'at. Imaginez le khushu' qu'il aura dans ces deux rak'at. Ce sont les dernières. Les dernières, il va mourir. Ils sont là, les tortionnaires, ils sont là en train de l'attendre. Il termine la salat, ils vont lui couper la tête. Imaginez comment qu'il va faire les deux rak'at. Imaginez qu'est-ce qu'il va dire dans la prosternation. S'il pouvait, s'il pouvait, si on le laissait, il va pas s'arrêter de parler. Ya Rabbi, smahli, Ya Rabbi, pardonne-moi, Ya Rabbi, ceci, Ya Rabbi, accepte de moi, Ya Rabbi, j'ai été ceci, j'ai fait cela, Ya Rabbi, excuse-moi, Ya... Il va pas s'arrêter. Ici, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, fais la prière comme si c'était les deux dernières rak'at. Si une personne va faire la prière de cette manière, elle va imaginer que ce sont les dernières, sûrement qu'elle va la faire avec yani, la manière la plus parfaite, bi'idhnillah ta'ala. D'ailleurs, même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith authentique, un hadith long, mais yani, son début, il a dit, salli salata mawaddi'. Il donnait des conseils, il dit, salli salata mawaddi'. Fais la prière de quelqu'un qui quoi? Qui, khlas, va nous quitter. Mouadda. Fais la prière de sorte ou de façon comme si c'était la dernière prière. Et cette phrase, Sallu salata mouadda. Beaucoup de imams se trompent. Pourquoi? Ils se trompent, ils croient qu'elle se dit pendant l'Iqama, juste avant l'Iqama. Avant l'Iqama. Quand l'imam dit, ou le muadhin dit Allahu Akbar, on se dit, qad qamat salat, qamat salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ensuite, l'imam s'approche du micro, il commence à voir les gens, il leur dit, stéou, stéou, nam, wa alamou natsuit soufouf min tamam salat. Ensuite, il leur dit, sallou salat al mouaddi'. Il croit que ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Jamais le prophète, ça disait, comme conseil en général, quand il donnait les conseils aux sahaba, ou là il leur montrait comment prier, ou là, il leur disait, Sallu salat muwaddi'. Faites, yani, la prière comme si vous alliez nous quitter. Salat muwaddi'. Dam. Thabit rahimahullah rapporte. Thabit rahimahullah rapporte. Il a dit, je passais devant Ibn Zubayr, rahimahullah, qui a accompli la prière derrière la station d'Ibrahim, derrière Maqam Ibrahim. Et il était comme un bout de bois ou une pierre plantée. Il ne bougeait pas. Naam. Il ne bougeait pas. C'est pour ça que la meilleure salat, c'est celle où on ne bouge pas. Car le prophète a vu quelqu'un toucher comme ça, comme un caillou. Il lui a dit, naam, une fois d'accord, mais pas deux, trois fois. Pas deux, trois fois. Naam. C'est pour ça que le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, uskunu fi salat. Cheikh Al-Albani a dit hadith thabit. C'est hadith ou bien authentique ou bien bon. Uskunu fi salat. Uskunu, ne bougez pas dans la salat. Si tu peux rester comme une colonne qui ne bouge pas. Contrairement à celui qui, dans la salat, qu'est-ce qu'il fait? Se gratte sa tête. L'autre, peut-être qu'il voit la montre. Il voit la montre. Quelle heure est-il? L'autre, peut-être qu'il voit son portable qui a sonné. Il veut voir qui c'est. Dans la salat, non. L'autre, il ne s'arrête pas de se gratter. L'autre, peut-être, il met, je ne sais pas, son doigt dans son nez. Je ne sais pas. Elle-même. Yani, le prophète m'a dit, où ce qu'on fait salat? Où ce qu'on ne bougez pas dans la salat? Bien sûr, si vous pouvez,
Mais des fois, par exemple, quand quelqu'un fait le wudu et il ne s'essuie pas avec une serviette, il revient comme ça avec le wudu. C'est difficile pour lui dans la salade. Pourquoi? L'eau va commencer, yani, à couler et sur son visage et à le chatouiller. Ça le chatouille dans son oreille, ça le chatouille sous ses yeux. C'est pour ça, yani, que yani, je crois, Allah alam, qu'il vaut mieux essuyer. Non. Sauf si quelqu'un peut patienter et ne pas à chaque fois essuyer l'eau qui coule de lui. Pas à chaque fois. Une fois, d'accord. Maximum deux. Mais pas à chaque fois, yani, toutes les, je ne sais pas, toutes les 30 secondes, il se gratte la tête ou là. Non. C'est pour ça que Cheikh Al-Albani rahimahullah s'est basé sur ce hadith. Où est-ce qu'on fait salat? Ne bougez pas dans la salat. Il s'est basé sur ce hadith pour dire que, il a dit que c'est une faute. C'est une faute pendant les tarawih, c'est une faute pour ceux qui sont derrière l'imam de lire avec lui dans un livre. Il a dit non. Quand tu prends un livre et tu lis, le Coran, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il t'a dit, il a dit le Coran, festemi. Il a dit donc, si vous entendez le Coran, il faut écouter. C'est pas toi tu vas lire aussi. Premièrement. Deuxièmement, le hadith a dit, où est-ce qu'on fait cela? Ne bougez pas. Alors toi tu bouges. Tu bouges en lisant. Tu bouges en tournant les pages. Ensuite, peut-être le livre tombe, tu le reprends. Ensuite, peut-être tu sais plus quelle page c'est. Ensuite, ceci, cela. Donc, Cheikh Al-Albani a dit, c'est, yani, ça se contredit avec le hadith. Ça se contredit avec le hadith. Bakr ibn Abdullah al-Muzani, rahimahullah. Bakr ibn Abdullah al-Muzani, rahimahullah, a dit, si tu veux que ta prière te soit profitable, dis. Voilà ce qu'il faut te dire. Si tu veux que ta prière te soit profitable, dis. Il se peut que je n'en accomplisse pas d'autres. Si tu veux que ta prière te soit profitable, avant de dire Allahu Akbar, dis-toi dans ton cœur, il se peut que ça soit les deux dernières. En fait, c'est vrai. Nous, c'est le shaitan qui est avec nous. C'est le shaitan qui est avec nous, qui nous dit non, ce ne sont pas les dernières, subhanallah. Tu as seulement 20 ans, 25 ans, subhanallah. Tu vas vivre jusqu'à au moins 70, 80. Qui te dit ce sont les dernières? Alors que c'est possible que ce sont les dernières. C'est possible que tu termines la salat, ces deux rakats, et que un quart d'heure après, tu meurs. Ou 5 minutes, ou bien une demi-heure. Et que c'était vraiment les deux dernières rakats que tu as faites. Donc tu dis, subhanallah, si au moins j'avais profité, j'avais dit ceci et cela, j'avais demandé à Allah ceci et cela. Mais je ne savais pas que c'était les deux dernières. Jamais ton nefs, jamais ton aql, ton esprit, jamais il va accepter que tu dises que ce sont les dernières. Jamais, ni le shaitan. À chaque fois il te dit non, il te reste des années, il te reste au moins 1000 ou 2000 autres rak'at à faire. Non. Mais ici il te dit, si tu veux ressentir quelque chose dans la salat, dis-toi, peut-être ce sont les deux dernières. Et tu vas bien à ressentir des choses. Hassan al-Karmani rahimahullah a dit, Hassan al-Karmani rahimahullah a dit, des gens peuvent être dans la même prière, mais qu'il y ait entre eux une distance semblable à celle qui existe entre les cieux et la terre. Ceci, car l'un d'entre eux peut être dans un état de recueillement et de concentration, alors que l'autre est insouciant et négligent. Regardez deux personnes qui sont par exemple dans Salat al-Isha, côte à côte, collés l'un à l'autre, ils sont en train de faire Salat al-Isha. Non. Et pourtant, il existe entre ces deux, leurs deux prières, une distance semblable à celle qui existe entre les cieux et la terre. Pourquoi? Car l'un d'eux est peut-être dans un état de khushu', de recueillement et de concentration, et l'autre quoi? Il est tout à fait insouciant et négligent. Ou alors, l'autre, il est dans un état de khushu', en train de penser à l'enfer, à la tombe, à ce qu'a dit l'imam quand il a récité, etc. Et l'autre, celui qui est à sa droite, est en train de penser à ses enfants, à sa femme, quand est-ce qu'il va la rencontrer, et la voiture qu'il vient d'acheter, quand est-ce qu'il va la faire sortir de la maison, et la maison qu'il a construite, quand est-ce qu'il va l'habiter. Et la deuxième femme, quand est-ce qu'il va demander sa main? Et comme ça. Donc il y a une grande différence entre ces deux personnes qui sont pourtant dans la même salat, derrière le même imam. Celui-là,
peut-être il sort avec 10 000 hasanats, et l'autre peut-être il sort avec 2 ou 3 hasanats. Tout juste le fait d'avoir été présent à la salat. Naam. Ou alors 10 minimum, car chez Allah Ta'ala, le minimum c'est 10. Naam. On interroge l'Awazi rahimahullah. Afwan, l'Awza'i. On interroge l'Awza'i rahimahullah à propos du recueillement dans la prière et le khushu'. Il a dit, il consiste à baisser le regard et faire preuve d'humilité et d'un cœur tendre. Et c'est là la tristesse, la peur. Donc on lui demanda comment pour avoir le recueillement dans la salat. Il a dit, il consiste à baisser le regard, à faire preuve d'humilité et d'un cœur tendre. Et c'est là la tristesse, la peur. C'est pas possible que quelqu'un fasse la prière et sente le khushu', si au moins, je dis au moins, l'une des conditions, s'il ne regarde pas en bas. Mais s'il regarde comme ça, en face de lui, et surtout s'il est dans la mosquée, commence à voir les gens, yani, en face de lui, donc, khlas, ça va lui enlever le recueillement dans la prière. Il ne va rien ressentir. Pourquoi? Car les yeux sont quoi? Les yeux sont, disons, yani, un chemin qui mène au cœur. C'est pour ça que, quand tu tombes avec ton regard, tu tombes sur quelque chose, par exemple, de mal, ça va quoi? C'est une flèche que le shaitan va envoyer dans ton cœur. Quand un homme marche dans la rue, il voit une femme. Il voit une femme bien habillée ou ceci, je sais pas. Qu'est-ce qui va se passer? Le shaitan, yani, va lui envoyer une flèche dans son cœur. Par le biais de quoi? Par le biais du regard, parce qu'il a regardé. Donc le regard est très important. C'est pour ça que Allah Ta'ala nous demande de baisser le regard. La même chose dans la salat. Si tu n'as pas le regard baissé vers l'endroit où tu vas te prosterner, classe, tu vas perdre quoi? Tu vas perdre le recueillement dans la salle. Tu n'auras pas trop le choix. Parce que tu vas voir en face de toi, même si tu es dans la maison, en face de toi, il y a un meuble, il y a les verres, il y a des assiettes, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a en face de toi. Et tu commences à penser à ces choses-là qui vont te faire oublier le recueillement dans la prière. Naam. Thabit al-Bunani rahimahullah a dit, Thabit al-Bunani rahimahullah a dit, j'ai enduré la prière pendant 20 ans et j'en ai joui 20 ans. J'ai enduré la prière pendant 20 ans et j'en ai joui 20 ans. C'est la vraie jouissance dans la prière. C'est pour ça que le prophète sallam, qu'est-ce qu'il disait? Il disait wa ju'ilat qurratu 'ayni fi salat. Il a dit que Allah Ta'ala a mis la jouissance de mes yeux. Je jouis avec mes yeux, quand est-ce? Il a dit, quand je suis dans la salat. Comme ça disait le prophète, il disait, Allah Ta'ala a mis la jouissance de mes yeux dans la salat. Subhanallah al-Azim. Celui-là, il a dit, j'ai enduré pendant 20 ans la prière, et pendant 20 ans, j'en ai joui. Ahmed ibn Sina, rahmallah, a dit, je n'ai jamais vu aucun savant accomplir mieux la prière que Yazid ibn Haroun. Il se tenait dans la prière telle une colonne qui ne bouge pas. Ja'far ibn Hayyan rapporte, il a dit, on demanda à Muslim ibn Yasar combien il se détournait peu dans la prière. On lui a dit, Masha'Allah, tu te détournes très peu dans la prière. Et il répondit, et qui vous dit où est mon cœur? Ça, car comme le visage se détourne, le cœur aussi se détourne. C'est pour cela que il est possible que tu vois quelqu'un qui regarde en bas, là où il va se prosterner, mashallah. Donc il a le khushu' des yeux, mais il n'a pas le khushu' du cœur. Peut-être qu'avec son cœur, il est loin. Il est dans un stade de football, où il est je ne sais pas où avec ses amis, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Naam. C'est pour cela que, avec le regard baissé, il faut aussi que le cœur, yani, soit à sa place. Que le cœur ne s'envole pas. C'est pas toi, tu es dans la mosquée et ton cœur s'est envolé, il est loin. Il est dans un stade, il est je ne sais où. Non, il faut qu'il soit avec toi. Il faut qu'il soit avec toi et que lui aussi, il ne soit pas détourné de la Qibla. Détourné de la Qibla. Asim rahimallah rapporte, il a dit, je n'ai jamais vu Abu Wa'il
se détourner dans la prière. Je n'ai jamais vu Abu Wa'il se détourner dans la prière. Naam, car se détourner dans la prière, le prophète a dit dans un hadith authentique, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, innama huwa ikhtilas yakhtalisu ash-shaytan. Innama huwa ikhtilas yakhtalisu ash-shaytan. Il a dit que, yani, quand quelqu'un se détourne dans la prière, ça veut dire que le shaytan lui a volé quelque chose, sa salat. À chaque fois que tu regardes à gauche, à droite, ça veut dire que tu as donné une part de ta salat au shaytan, a'oudou billah. Le shaitan, vous savez, il est là avec nous, même à la mosquée. À la mosquée, il est là, il est toujours présent. Il ne sort de la mosquée que lorsqu'il entend l'adhan et lorsqu'il entend l'iqama, comme dans le hadith authentique. Là, il s'enfuit, il revient après. Et quand tu dis l'Allahu Akbar, il est là dans tes oreilles. Il essaie, comme a dit le prophète Hassan, il a dit, il te fait souvenir des choses que tu as oubliées depuis longtemps. Il te fait... Subhanallah, il te fait rappeler des choses que tu as oubliées depuis 10-20 ans. Il te les fait rappeler. Donc s'il n'arrive pas, il voit que tu as le khushu', qu'est-ce qu'il essaye au moins? Au moins, comment faire pour que tu te détournes? Au moins une fois à droite ou bien une fois à gauche, comme ça avec tes yeux. Même si ce n'est pas avec la tête, au moins avec les yeux. Tu te détournes, tu vois ce qui se passe à gauche, ce qui se passe à droite. Et le prophète Aslam a dit que chaque détournement, c'est quoi? C'est une chose que te vole le shaitan de ta salat. C'est une chose que te vole le shaitan de la salat. Tu vas sortir de ta salat qui est incomplète. C'est comme le puzzle. Vous connaissez le puzzle. Il manque dans le puzzle une ou deux choses. Où est-ce qu'elles sont ces deux choses? Elles ont été prises par le shaitan car je me suis détourné. Naam. Ou bien je me suis détourné avec mes yeux. Naam. Ambassa ibn al-Azhar rahimahou rapporte rahimahoullah, il a dit Al-Harith ibn Hassan se maria. Al-Harith ibn Hassan se maria. Et on lui dit au matin, on lui a dit, tu viens, c'est-à-dire à la mosquée, alors que tu as consommé ton mariage cette nuit, tu viens à la mosquée, alors que tu as consommé ton mariage cette nuit, il répondit, par Allah, je jure par Allah, une femme qui m'empêche d'accomplir la prière de l'aube à la mosquée est une femme mauvaise. Par Allah, une femme qui m'empêche d'accomplir la prière de l'aube à la mosquée, celle-là c'est une femme mauvaise. En fait, là ici, beaucoup, beaucoup se trompent à cause du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le comprennent très mal, comme quelqu'un m'a dit une fois. Non, quelqu'un m'a dit une fois. Taïb, que dit le hadith? Le hadith dit que si jamais quelqu'un prend comme deuxième épouse, ou la deuxième, la troisième, ou l'al-muhim, quand il prend une autre épouse, et que celle qu'il vient de prendre, la deuxième, si elle est vierge, elle ne s'est jamais mariée, le hadith a dit qu'il lui était permis de rester cette nuit avec elle. Cette nuit. Non, car il est nouveau, elle est nouvelle. Donc cette nuit avec elle, spécialement pourquoi? Parce que elle est vierge, elle ne s'est jamais mariée. Mais si elle s'est déjà mariée, donc trois nuits seulement. Trois nuits. C'est juste les trois premières nuits. Et pour la vierge, juste les sept premières nuits. Pas tout le temps après. Après, ça devient une nuit. El-Mohem. Certains croient quoi? Croient que quand il a dit sept nuits, donc sept nuits et sept jours. Donc, comme j'ai discuté avec quelqu'un, il m'a dit, moi je croyais que c'était les jours aussi. Et je suis resté sept jours, je suis pas sorti de la maison. Je prie à la maison. Allah yahdik. Allah yahdik. Qui t'a dit ça toi? Le hadith a dit que cette nuit, tu pouvais rester avec elle la nuit. Mais quand tu entends l'adhan, tu dois partir à la mosquée, si tu es proche de la mosquée. Donc, il y a des gens qui n'ont pas bien compris ce hadith et ont cru que même la salat, donc tu l'abandonnais, tu restais à la maison et allais prier. Comme certaines femmes, je ne sais pas d'où elles ont inventé ça, elles ont dit par exemple que pendant le mariage, tu peux, pendant la journée où la femme va s'asseoir, etc., la fête, que c'est permis de ne pas prier jusqu'à la nuit. La nuit, tu rattrapes. Comme ça, elles disent. D'où tu as ça? Elles ne trouvent pas. Donne le hadith. Oui, le hadith qui dit que la femme, ça lui est permis de ne pas prier quand c'est la fête. Quand c'est sa fête à elle, sa fête de mariage, elle ne prie pas. Donne le hadith. Il y a un hadith qui dit comme ça? Au contraire. C'est là-bas que tu vas prouver. C'est là-bas, ma soeur, ma fille, que tu vas prouver
que vraiment la salat est pour toi importante. Là, je suis là, assise, en face des femmes, dans l'assise là qu'il y a dans le mariage. Là. Mais quand c'est le moment de la prière, je me lève pour prier. Je deviens un exemple pour toutes celles qui sont assises, un modèle. Je leur donne une leçon. Je leur donne une leçon. Celles qui croient que yani, je vais prier la nuit. Moi, ça veut dire qui suis là, la mariée. Regardez, je me suis levé pour prier. Qu'en est-il vous qui yani, vous n'allez pas prier jusqu'à la nuit. Al-Muhim. Qu'est-ce qu'il a dit ici? L'imam Bukhari, rahimahullah, vous connaissez tous. Il pria une nuit. Lorsqu'un frelon le piqua à 17 reprises. Lorsqu'il termina sa prière, il dit, regardez ce qui m'a piqué. Il dit, cherchez ce qui m'a piqué, je ne sais pas ce que c'est. Il l'a piqué 17 fois. Ceux qui étaient présents ont compté. Et il n'a rien ressenti. Il a dit, quand il a terminé, il a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez ce qui m'a piqué. Enfin, il a ressenti, mais ça l'a pas détourné de sa salate. Ça l'a pas détourné de sa salate. Habib ibn Shahid, rahimahullah, rapporte. Il a dit, Muslim ibn Yasar se tenait debout en prière. Il était debout en prière lorsqu'un feu se déclara à ses côtés. Et il ne le remarqua pas jusqu'à ce que le feu soit éteint. Un feu s'est déclaré à ses côtés, il ne l'a pas remarqué. Quand on l'a éteint, après on lui a raconté. On lui a dit, il y a eu un feu devant toi et on l'a quoi? On l'a éteint. Pourquoi? Tellement yani, ces gens-là, quand ils rentraient dans la salate, vraiment yani, ils n'étaient plus présents avec nous. Et le hadith du prophète, alayhi salam, très connu dans le Bukhari et les autres, qu'un homme était en train de prier la prière de la nuit et que l'adversaire, yani, son ennemi, a frappé cet homme avec une lance, une flèche, et il l'a enlevé de son corps, et il a continué la prière. Et on l'a frappé d'une deuxième. Il l'a enlevé de son corps, il a continué la prière. Et on l'a frappé d'une troisième. Et il l'a enlevé de son corps, il a continué la prière. Allahu Akbar. Naam. Al-A'mash rapporte, il a dit, lorsqu'Ibrahim Timi se prosternait, les oiseaux venaient se poser sur son dos comme s'il était un tronc tombé à terre. Allahu Akbar. Lorsqu'Ibrahim Timi se prosternait, les oiseaux venaient de temps en temps se poser sur son dos comme s'il était un tronc. Il croyait que c'était un tronc d'arbre qui était tombé à terre, tellement il ne bougeait pas. Taous rapporte, rahimahullah, il a dit, je n'ai jamais vu un fidèle en prière semblable à Ibn Omar, radiallahu ta'ala anhu, plus attaché à se diriger vers la Qibla par son visage, ses mains et ses pieds. Naam. Le hadith du prophète est clair. Il a dit, il a dit comme ça, il a dit, c'est-à-dire, mets en face de la Qibla. Il a dit, tes mains, les doigts de ta main, de tes mains et les orteils de tes pieds. Et les orteils de tes pieds. Des hommes ou des femmes. Si jamais tu vas regarder ses pieds alors qu'il est debout pour dire Allahu Akbar, qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir que ses pieds, les orteils, les doigts de ses deux pieds, ne sont pas dirigés vers la Qibla. Mais son pied droit est un peu. Lui qui est à ta droite, sa cheville va toucher ta cheville. Pourquoi? Car moi j'ai mes pieds qui sont droits vers la Qibla, et ceux qui sont à la droite et à ma gauche ont leurs pieds droits vers la Qibla. Donc les chevilles vont se toucher automatiquement. Mais si jamais, imaginez, je suis debout, j'ai mes pieds qui est dirigé vers la gauche, mon pied droit qui est dirigé vers la droite. Donc celui qui est à ma droite et ma gauche ne peut pas. Donc il les pose, mais ses doigts ne sont pas envers la Qibla. Tu vas voir ses doigts, tu vas voir ses mains et les doigts de ses mains dirigés ou bien à droite ou bien à gauche. Comme une grenouille. Tout à l'heure, comme un canard debout, maintenant comme une grenouille. Naam. Et la main droite
elle va vers la droite et la main gauche, elle va vers la gauche. Alors que le hadith a dit, dirige tes mains vers la Qibla. Quand tu es prosterné, il faut que tes mains, les doigts de tes mains, soient aussi vers la Qibla. Vraiment droit. Et non pas la main droite à droite et les doigts de la main gauche qui se dirigent vers la gauche. Idem pour les pieds. Les pieds. Quand maintenant tu es prosterné, tes pieds aussi, yani, tes pieds doivent être leurs orteils renversés vers la Qibla. Ce n'est pas tes orteils qui donnent de l'autre côté, non, vers ton dos, mais plutôt renversés. Renversés en étant prosternés, les orteils sont renversés pour être envers la Qibla, si c'est possible, bien là. Donc on va terminer avec une chose ici. Qu'est-ce qu'on va dire, hein? On va terminer par cette chose, inchallah, ces deux choses. Abu Abdurrahman Sa'di rapporte, il a dit, j'ai demandé à Saïd ibn Abdelaziz, quels sont ses pleurs lorsque tu es en prière? Il a dit, pourquoi tu me poses cette question? Il a dit, il se peut qu'Allah Azzawajal fasse qu'elle me soit utile. Réponds-moi, peut-être ta réponse, inchallah ta'ala, elle me sera utile. Il lui a répondu, il lui a dit, je ne me suis jamais entré en prière, je ne me suis jamais rentré en prière sans me figurer l'enfer. Jamais je ne rentre en prière sans imaginer que y a l'enfer qui va être en face de moi, yani, et je dois me préparer pour cet enfer. Naam. Et enfin, Ibn Shoudhab, rahimahullah, rapporte, il a dit, lorsque Mouslim Ibn Yassar entrait en prière, il disait à sa famille, regardez cette personne, qu'est-ce qu'elle disait à sa famille lorsqu'elle allait entrer dans la prière. Lorsque Mouslim Ibn Yassar entrait en prière, il disait à sa famille, vous pouvez parler maintenant. Je n'entends pas ce que vous dites. Non. Il leur a dit, attention, une seconde, laissez-moi dire Allahu Akbar. Et lorsque je rentre dans la prière, dites ce que vous voulez, parlez de ce que vous voulez. Pourquoi? Je ne vous entends pas. Je ne sais pas, je n'entends pas ce que vous dites. Je ne suis pas avec vous. Vous avez compris? Je ne suis pas avec vous. Non. Mais qui peut arriver à un statut pareil, non? Si ce n'est yani les salafs qui ont fait le djihad à leur nefs, le djihad, naam, jusqu'à ce qu'Allah Ta'ala leur a donné, bidna ta'ala, ce haut statut. Normalement, j'allais parler aussi de la prière de la nuit, mais je préfère laisser, inshallah ta'ala, la prière de la nuit pour, inshallah ta'ala, le prochain cours. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. On va se rencontrer, inshallah ta'ala, dans 10 minutes, inshallah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc la première question d'une sœur. Salam alaikum wa rahmatullah. Qu'Allah vous accorde le firdaous, cher. Peut-on faire plusieurs invocations différentes lors du recours, comme par exemple dire Subhanakallahumma wa bihamdik et dire aussi Subhana rabbil azim. Ou doit-on en dire une seule et pareil pour les invocations entre les deux prosternations, une seule ou plusieurs? Barakallahu fikum. Tfadda, cher. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم pour les دعاء puis الله سبحانه وتعالى englober tous ceux et celles qui sont présentes avec nous بإذن الله تعالى. Avant de répondre à cette question, avant de répondre à cette question, la fois passée, une sœur, je crois, si je n'ai pas oublié, m'avait parlé, m'avait posé la question sur Sahnoun rahimahullah et avait dit s'il était yani, le maître ou l'enseignant de le Bukhari ou quelque chose comme ça, je lui avais répondu que Sahnoun yani avait propagé le livre de l'imam Malik rahimahullah al-Mawta. Ensuite, le lendemain, quand j'allais à la mosquée en cours de route, car des fois en cours de route comme ça, des fois yani, j'ai le film de ce que j'ai dit, la veille. Ensuite, cette chose m'est venue à l'esprit. Je lui ai dit que Sahnoun rahimahullah a propagé le Mouta. Alors que, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui me fait rappeler les choses. Alors qu'il fallait dire que Sahnoun a écrit un livre, c'est-à-dire a propagé les avis de Cheikh de Imam Malik rahimahullah, mais pas dans le Mouta, dans un livre qui s'appelle le Moudawwin. On n'a pas tranché dans la chose. Mais j'ai compris que, surtout Ibn al-Qayyim, penche à ne pas quoi? À ne pas diversifier. Il a dit de préférence, par exemple,
Dans ce sujoud, tu dis telle et telle chose, dis autre chose. Mais pas dans le même sujoud, tu dis deux ou trois choses qui sont différentes. La même chose, par exemple, entre les deux prosternations. Par exemple, maintenant, je me suis prosterné, je dis Rabbi ghfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni wajburni. Ensuite, la deuxième raka, par exemple, quand je m'assois pour entre les deux prosternations, je dis Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli, subhanahu wa ta'ala, a'lam. Mais si je dis, si quelqu'un va diversifier, il n'y a pas quelque chose à 100%, yani que ça ne se fait pas. Na'am. Wallahu ta'ala a'lam, tfadhal. Non, donc comme je l'ai écrit sur le salon, puisque des personnes demandent le nom du récitant, c'est Fahed El-Houtaibi, et c'est pas celui de Solat El-Qalam. Donc, question suivante, cher, question d'une sœur. Salam alaikum, cher, hafizakum Allah. Est-ce que la prière sans khushu' est valide? Est-ce que la prière en étant pensif est valide? Tfadal, cher. Je dis oui, alhamdoulillah. Oui, alhamdoulillah, toutes nos prières seraient invalides. Alhamdoulillah, les savants ont dit, le khushu' n'est pas une condition. C'est une chose vraiment recommandée, mais pas une condition. Si c'était une condition, ça veut dire que toute prière où il n'y a pas khushu' n'est pas valide. Alors je vous rappelle le hadith du prophète, authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah, qui dit que on ne t'écrit de ta salat que là où ton cœur était présent. C'est-à-dire que, comme ça, vous êtes déjà monté en taxi, il y a comme un con devant nous que nous, on ne voit pas. Quand tu dis Allahu Akbar, tu lèves tes mains, tu dis Allahu Akbar, le compteur commence à tourner. Maintenant, à chaque fois que ton cœur n'est pas présent, à chaque fois que tu es pensif à des choses à droite, à gauche, le compteur s'arrête. Bon, le compteur, bien sûr, il est branché avec ton cœur et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui ordonne de marcher et de s'arrêter. Donc, le prophète Hassan a dit, c'est pour ça que la personne sort des fois de la salat avec un quart. Il a dit un demi, un tiers, un quart, un cinquième, un sixième, et jusqu'à peut-être que la personne sorte avec rien, zéro. Donc, je dis que la dépendance, la présence de ton cœur dans la salat. Plus il est présent, plus tu sauras de la salat à récompense, des hasanat. Plus ton cœur est allé à gauche, à droite, plus ça diminue de tes hasanat. Ça diminue de tes hasanat. Il y a un hadith sahih qui se trouve dans le Mu'tah de l'imam Allah. Et Ibn Hajj al-Asqalani l'a cité dans. En fait, maintenant j'ai des doutes pour la Mouta, mais très sûr de Fath al-Bari. Je crois que c'est lui qui a dit qu'il se trouvait dans le Mouta. Al-Muhim, que dit ce hadith? Que Omar ibn radiyallahu ta'ala anhu a prié Jean dans Salat al-Maghrib. Salat al-Maghrib, vous savez, on doit lire les deux premières rak'at à haute voix. Il a lu, rahimahullah, radiyallahu ta'ala anhu, à voix basse. À voix basse, la troisième aussi à voix basse. Et on lui a dit, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a rien entendu de ce que tu lisais. Il a dit, certes, depuis que j'ai dit Allah, je n'ai cessé de quoi positionner les soldats pour gagner la prochaine bataille. Il a dit, dans la salle, je toi, ça coupe pas. Hein? Ça coupe beaucoup musulmans. Ça coupe. Qu'est-ce qu'il faut faire, musulmans? Est-ce qu'on doit fermer le salon et le réouvrir? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que ça coupe toujours, musulmans? Est-ce que ça. Est-ce que ça coupe toujours? Est-ce que ça coupe toujours ou là ça peut pas passer, Inch'Allah? Là c'est bon. Alhamdoulilah. Que Omar Mokhtab a prié Salat al-Maghrib.
sans lever la voix. Et quand il a terminé, on lui a dit, qu'est-ce que tu faisais? Il a, je positionnais et préparais les gens de les soldats de la future bataille. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a refait la salat et ils ont prié derrière lui. Donc voilà, inchallah ta'ala, pour le khushu, ce n'est pas une condition pour la validité de la salat. Mais plus il y a de khushu, plus la salat est beaucoup plus amplement rétribuée. Tfadlal. Alors, question suivante, cher. La question d'un frère. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous avez dit dans le cours que pendant les prières d'Infila, c'était permis de dire en soujoud plus de 3 fois Subhan Rabbil A'la. Est-il permis de faire cela pour les prières Farida, Barakallahu fikoum. Et le reste que je vous ai envoyé, cher, c'est un message personnel d'un frère qui vous passe le salam, un frère de Blida. Tfadal, cher. Donc, si le frère nous, allez, quand allez, salam, salam, et puis cela, subhanahu wa ta'ala, faire que on va se rencontrer très souvent, on va se rencontrer très bientôt. Puis cela, subhanahu wa ta'ala, faire que on va se rencontrer, inshallah ta'ala, très bientôt. Taïb. Vous avez dit dans le cours que c'est permis de dire soujoud plus de 3 fois, subhanahu rabbil a'la. Est-il permis de faire cela pour les prières fard? Bien sûr. Pour le fard, c'est aussi permis. Et c'est bien pour le fard aussi. Mais à condition que, si on guide les gens, on ne le fait pas. Car si on guide les gens, on risque de quoi? On risque, yani, de les, par exemple, de les, comment on dit ça, le verbe, c'est pas des empêcher, les retarder de leur travail, etc. Non. C'est pour ça que le prophète, a dit dans un hadith authentique, il a dit, quand tu guides les gens, allège. Et quand tu pries toi-même, allonge. Et quand tu guides les gens, il faut alléger la prière. Alléger, ça veut dire normal. 3 fois, par exemple, Subhanabil Adim, Subhanabil A'la. Et quand tu pries seul, allonge si tu veux. Donc je dis à la personne, si elle prie le fard, par exemple, et qu'elle veut dire Subhanabil A'la 30, 40, 50 fois dans le soujoud, qu'elle le dise. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique, qu'est-ce qu'il a fait une fois? Il s'est prosterné. Et il est resté prosterné. Le hadith, vous trouvez dans Sif Salat al-Nabi de Cheikh Al-Albani aussi. Donc, il s'est prosterné. Et il est resté prosterné, sallallahu alayhi wa sallam, au point où un sahabi qui était derrière a dit, il a dû se passer quelque chose. C'est-à-dire peut-être que le prophète Hassan est mort. Ou alors que, je ne sais pas, il a relevé la tête et ils ont relevé, moi j'ai pas entendu. Il a dit, j'ai relevé la tête pour voir qu'est-ce qui se passe et j'ai vu le Hassan, le petit-fils du prophète Hassan, ou bien le Hussein, ou bien les deux. C'est moi qui doute. Il a dit, je les ai vus sur son dos. Et quand il a terminé, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, vous avez dû remarquer que j'ai allongé dans ma salle, etc. Il a dit, car l'un de mes fils, ou bien les deux, m'ont pris, ou bien m'a pris, comme monture, et j'ai pas voulu lui casser son jeu. J'ai pas voulu lui casser son jeu. C'est un enfant, il veut jouer, il est monté sur mon dos, et pourtant, dans la mosquée, en train de guider dans Salat al-Fard. Et il n'a pas dit qu'on dise nos imams, les ignorants d'entre eux, qui disent l'enfant ne doit pas rentrer à la mosquée. Il se bat sur un hadith faible. Éloigner les enfants, il est fou de la mosquée. Comme ça dit le éloigner les il est fou de la mosquée. Et c'est pas que le prophète sallam il a laissé les enfants. Ici le prophète sallam quand il est resté combien de temps prosterné au point où le sahabi a levé sa tête. Donc il est resté combien? Au moins disons une demi-heure ou là. Qu'est-ce qu'il disait? C'est se taire. Donc il disait Subhanabil A'la plutôt, ou bien d'autres invocations. Non. Pour une autre question, inshallah ta'ala. Question suivante, sur une sœur. Assalamu alaikum, cher. J'espère que vous allez bien. Pendant le cours, vous avez parlé des rangs dans la salat.
J'ai donc repensé au hadith qui dit que le meilleur rang pour les hommes est le premier et le meilleur rang pour les femmes est le dernier. Mais de nos jours, étant donné que les hommes sont clairement séparés des femmes, quel est le meilleur des rangs pour les femmes? Barakallahu fikoum, cher. Tfadda, cher. Wa alaykoum salam wa rahmatoullah. En fait, c'est vrai, il y a une divergence en celle-là. Comme dit Cheikh Ibn Outaymiyyah, il a dit, ceux qui vont voir la cause, l'illah, ils vont dire, puisque la cause de la séparation, yani, c'est pour que les femmes yani, soient loin de l'homme. C'est pas la cause de la séparation. La cause du hadith qui a dit que la meilleure femme, c'est celle qui prie dans les derniers rangs. C'est quoi la cause? Pour qu'elle ne soit pas proche des hommes. Ils ont dit maintenant, ça n'existe plus, alhamdoulilah. Elles sont séparées. Elles ont dit, il a dit, donc la femme peut prier, yani dans le premier rang. Mais d'autres, comme Cheikh Rajihi, Hafidahullah et d'autres, ont dit, il vaut mieux, yani, laisser le hadith comme il est. Le hadith a dit quoi? A dit, les meilleures des femmes, ce sont celles qui prient dans les derniers rangs. Il a dit, on reste sur, yani, l'apparence du hadith. On reste sur l'apparence du hadith. C'est mieux pour une femme de prier dans le dernier rang. Wallahu ta'ala alam. Cette chose ressemble un peu à, par exemple, le hadith où le prophète alayhi sallam, a dit si par exemple l'imam qui nous guide, s'il se trompe, yani il se prosterne pas ou là, il a dit, si on est derrière lui, si on est un homme, on lui dit subhanallah. Si on est une femme, on claque des mains. Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah a dit maintenant, si l'homme qui guide, c'est l'époux de la femme qui est derrière lui, est-ce qu'on va dire, elle doit toujours claquer des mains, ou bien on va lui dire, puisque c'est ton mari, donc tu peux lui parler. Tu peux dire, subhanallah. Tu peux dire, subhanallah, naam. Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, apparemment, on pourrait dire qu'elle peut parler. Il a dit, mais si on reste avec l'apparence du hadith, et on va lui dire, même si c'est ton mari, tu frappes des mains. Il a dit, ce serait mieux. Wallahu azza wa jal a'lam. Tfadlal. Question suivante. Donc un frère dit salam alaykoum cher, qu'Allah vous préserve ainsi que tous. Quel est le livre que vous faites ainsi que son auteur? Barakallahu fikoum. Tfadal cher. Je vous ai dit la fois passée que le livre, d'ailleurs le titre, se trouve dans la bannière. Il s'appelle Ainsi étaient nos pieux prédécesseurs. Ainsi étaient nos pieux prédécesseurs. Je vous lis quelque chose ici de la première page. Compilation et traduction de Nabil Al-Iwan, ou quelque chose comme ça. Relecture, bureau des traductions des éditions Tauba. Édition Tauba, email self, gmail.com. C'est tout. Voilà. Je pense que ce sont quelques frères, Allahu Ta'ala Alam, qui sont cherchés comme ça dans les livres et ont fait sortir des choses dans des livres et les ont traduites, Allah Subhanahu wa Ta'ala Alam. Tafadhal. Alors, une question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh Anna, barakallahu fikoum pour ce cours très profitable, masha'Allah. En ce moment, j'ai beaucoup de mal à me lever au fajr, car je n'arrive pas à dormir tôt. En plus, je laisse le witr pour m'obliger à me lever, et subhanallah, souvent je suis très en retard. Le soleil commence à se lever. Que faire pour pouvoir être plus assidu à cette salat, en sachant que j'aimerais même faire un peu de tahajjud? En tout cas, qu'Allah vous récompense, ce dars m'a bien fait ressentir à quel point je suis loin. Wafaqakum Allah, cher. Tfadda, cher. En fait, c'est vrai, aucune personne peut faire la salat al-fajr en son moment si elle remplit pas deux conditions. La première, qu'elle essaye de dormir plus ou moins tôt. Et la deuxième, très importante, la deuxième aussi, c'est quoi? Dans son cœur, que vraiment elle veut se lever et la Si Allah Ta'ala sait dans vos cœurs
du bien. Allah Ta'ala, quand il voit dans ton cœur que tu viens faire cette adoration pour te rapprocher de lui, que tu insistes et que tu es soucieux et soucieuse, il va t'aider, Inch'Allah Ta'ala, pour te réveiller. Car quand on dort, nos âmes s'envolent, comme vous savez. Elles sortent de nous et elles montent plus ou moins d'après la taqwa qu'on a. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous rend nos âmes. C'est pour ça que quand on se réveille, on dit Alhamdulillah alladhi ahyana. Donc on était mort, il nous a ressuscité. Et le mohim, je dis à cette personne, les salafs autrefois, na'am, jamais, 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 par exemple, ils ne dépassaient peut-être 21 h ou bien 22 h. Mais de nos temps, ça a beaucoup changé. Maintenant, il y a quoi? Il y a la famille, il y a la télé, il y a le téléphone. Na'am, il y a le téléphone, il y a la voiture, il y a mille et une choses maintenant qui ont changé et qui malheureusement nous éloignent de quoi? Nous éloignent des adorations et d'être comme les salafs. Je dis à cette sœur, puisqu'elle parle de, elle voudrait faire le tahajjoud, etc., que dans le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala, on va parler de la prière de la nuit. Et en écoutant comment la prière de la nuit, peut-être que nous tous, ça nous donnera, Inch'Allah Ta'ala, un déclic dans nos cœurs pour que on commence à prier la nuit, de temps en temps. Et moi, je dis à cette sœur, puisque tu sais que beaucoup de fois, tu ne te réveilles que alors que le soleil s'est levé, donc il vaudrait mieux, Inch'Allah Ta'ala, ne plus laisser, ne plus laisser le witr jusqu'au matin. Mais il faut le faire, Inch'Allah Ta'ala, de préférence avant de dormir. Et Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Awsani Khalil, l'ami intime, m'a enjoint, m'a recommandé, mon ami intime, il a dit, il m'a trois choses, entre autres, qu'est-ce qu'il a dit? De ne pas dormir sans faire le huit. Pas dormir sans faire le huit. Donc je conseille à cette sœur, Inch'Allah Ta'ala, au moins de faire le huit avant de dormir et, Inch'Allah Ta'ala, de faire dans son cœur, yani, l'intention et de faire des doigts pour que Allah Ta'ala l'aide à se réveiller le matin. Ensuite, vous savez, quand qu'une personne ne se réveille pas jusqu'au lever du soleil, ou bien jusqu'à 9 h, ou bien jusqu'à 10 h, ou bien vraiment, yani, elle a perdu la journée. Déjà, elle se lève paresseuse. Elle se lève dégoûtée. Ceux et celles qui ont quoi? Qui ont la foi. Je ne parle pas de ceux qui sont distraits et qui se lèvent à 10 h 30 ou bien et il n'est pas soucieux. La preuve qu'il n'est pas soucieux, il se lève à 10 h et au lieu de se lever, yani en ayant peur et de faire vite, d'aller faire la prière pour demander à Allah Ta'ala pardon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer par boire le café. Ensuite, peut-être boire le thé. Ensuite, je ne sais pas, discuter. Et ensuite, il va dire, bon, je vais prier ça sobh. Celui-là, et Allah yahdi, Allah yahdi, Allah yahdi. Celui-là est vraiment très loin. Sinon, comme j'ai dit, une personne, quand elle se rêve déjà levée, au moins qu'elle soit sincère et qu'elle montre à Allah subhanahu wa ta'ala que, yani, elle regrette, etc., qu'elle commence donc direct par la salat, direct. Sauf s'il y a par exemple les toilettes, elle commence par les toilettes pour ne pas être, yani, gênée dans la salat. Et ensuite, direct les ablutions et la salat, bi'idhnillahi ta'ala. Question suivante, cher. Question d'une sœur. Assalamu alaikum. Jazakumullah khairan pour tout. J'ai une question concernant la salat de nuit. Qiyam al-layl. A-t-on le droit de lire directement à partir du Coran durant notre salat? Barakallahu fikum. Tfadal, cher. Wa alaykoum salam wa rahmatoullah. Aïcha radiallahu ta'ala anha. On vous rappelle que ce n'est qu'une question. Comme j'ai dit, était dans le Bukhari ta'ala anha. Pendant Salat Tarawih, elle faisait venir son valet. Naam. Qui quoi? Qui lisait du livre, du Coran, et la guidait à la maison. Elle faisait venir son valet qui lisait du livre et la guidait dans la salat. Ah ouais. Donc je dis, pour la prière de la nuit, si quelqu'un ne connaît pas beaucoup de Coran, il voudrait lire du livre, il n'y a pas une chose interdite comme ça. Non. Il y a même
le athar que je viens de citer de Aïcha. Mais celui qui lit de sa poitrine et de son cœur, c'est mieux que celui qui lit du livre. À cause du hadith que où ce qu'on a fait salat? Comme a dit le professeur, qu'est-ce qu'il a dit? Où ce qu'on a fait salat? Ne bougez pas dans la. Donc, si quelqu'un veut lire du livre pour le nafila, qu'il lise, mais s'il lit son cœur, même si c'est des petites sourates, des petites sourates, Zelzal, Al-Kafirun, et comme ça, ma'alish. Pourquoi? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Si y a Allah, vous êtes témoin que c'est tout ce que j'apprends. Allah Ta'ala ne va pas dire pourquoi, il n'y a pas d'autre. C'est tout ce que tu peux apprendre, c'est appris. Wallahu Ta'ala alam. Tfadhal. Une question suivante. Question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullah, cher. Hayakum Allah. J'aimerais savoir si la récompense du premier rang était aussi valable pour la femme lorsqu'il est possible d'aller à la mosquée ou lorsqu'elle se trouve avec plusieurs sœurs, par exemple, chez l'une d'entre elles. Ou est-ce que cela s'applique seulement derrière l'imam? Barakallahu fikoum. Qu'Allah vous fasse miséricorde ainsi qu'à votre famille. Et qu'il vous accorde le paradis, ainsi que tous les musulmans. Tfadha cher. En fait, elle a dit salam. Salam, alaykoum salam, en fait, ça part de la mosquée et de l'imam. Ça part de la mosquée et de l'imam. C'est pour cela qu'elle, même si elle va à la mosquée, si on prend de ce qu'on a dit tout à l'heure, ce serait mieux pour elle, même dans la mosquée, d'être dans le dernier rang. Mais elle, yani, quand elle est dans les derniers rangs, ce n'est pas parce que yani, elle aime s'éloigner de l'imam. Mais c'est pour le hadith qui a dit que plus elle est éloignée des hommes, plus yani, sa salat est pleinement rétribuée. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Donc, ça c'est spécialement pour quelqu'un qui est à la mosquée, bi'idhnillahi ta'ala. Tfadhal. Wallahu ta'ala alam. Tfadhal. Alors, question suivante. Question d'une sœur. Assalamu alaikum, cher. J'ai entendu que l'on ne pouvait pas parler dans une autre langue que l'arabe dans la salat. Et dans le soujoud, je fais des doigts dans ma tête pour éviter de ne pas parler une autre langue que l'arabe. Suis-je dans l'erreur, cher? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Tfadha, cher. Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, a dit, bon, elle a dit salam alaykoum, alaykoum salam, Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, a dit, et je l'ai cité, ça fait deux ou trois cours, que pour la personne qui ne comprend pas l'arabe, qui n'a pas l'arabe, que c'était permis le dhikr, c'était permis dans sa langue. S'il est français en français, s'il est allemand en allemand, s'il est anglais en anglais, comme ça. Il a dit, ce qui n'est pas permis, c'est le Coran, ou bien tu lis le Coran en arabe, ou bien tu n'as pas le Coran, tu n'as pas le Fatiha, tu lis, tu dis. Tfadhal. Cher, ça a coupé durant la réponse, mais une fois de l'écho, comme si vous pouviez répéter. Tfadal, cher. Alaykoum salam, j'ai dit que Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah. Naam. Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah a dit que l'arabe c'était pour celui qui a l'arabe. Et c'est pour le Coran. Quand tu lis par exemple Fatiha, une sourate en arabe. Si tu n'as pas le Fatiha, tu dis Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Il a dit quant au dhikr, quant aux invocations, dhikr, naam, il a dit ce n'est pas obligé l'arabe pour quelqu'un qui n'a pas l'arabe. Il a dit, celui qui est français, parle en français. Celui qui est anglais, dans sa langue. Et comme ça. Sauf pour le Coran. Sauf pour le Coran, il a dit, il faut que ça soit en arabe, bi'idhnillahi ta'ala. Tfadhal. Question suivante. Salam alaikum, cher. Hafizakum Allah. Pourriez-vous répéter la parole authentifiée par Cheikh Al-Albani concernant la prière faite à l'heure pendant 40 jours, qui avait parmi les deux bénéfices de ne pas faire entrer en enfer. Je n'ai pas entendu
si c'était un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou la parole d'un pieux prédécesseur. Barakallahu fekoum. Tfadal cher. Assalamu alaikum, est-ce que vous m'entendez? Alhamdoulilah. Donc j'étais en train de, pour ne pas perdre de temps et pour, comme on dit, pour réconforter la sœur, donc je suis allé lui chercher le hadith. Je suis allé lui chercher le hadith. Donc voilà le hadith en arabe. Donc le hadith c'est numéro 1979 dans le livre Silsila Sahiha de Cheikh Al-Albani rahimahullah. Le prophète Aslam a dit: Men salla lillahi 40 yawman fi jama'a yudriku at-takbiratal Le prophète Aslam a dit que quiconque va prier 40 jours en groupe dans la mosquée, c'est-à-dire yudrik, il attrape la première takbira, takbirat al-ihram, celle avec laquelle on dit Allahu Akbar, on rentre dans la salat. Il a dit, il attrape cette takbira. Il est là présent quand l'imam dit Allahu Akbar. Il a dit, alors on va lui écrire deux désaveux. Deux désaveux. Un désaveu de l'enfer, qu'il ne rentrera pas en enfer. Et un désaveu de l'hypocrisie. Que quelqu'un qui n'est pas hypocrite. Subhanallah al-Azim. Pour celui qui, donc, yani, peut faire cette chose. Et en fait, surtout de nos jours, hein, peut-être ça paraît facile. La personne va dire 40 jours, c'est rien 40 jours. 40 jours, justement, c'est difficile, tu vas voir. Il y aura toujours, tu te réveilles pas une fois, ou bien deux fois, ou bien tu dois aller aux toilettes, ou je ne sais pas quoi. Et, classe, tu as perdu, il faut refaire la prochaine fois les 40 autres jours. Wallahu ta'ala alam. Mais je ne dis pas ça pour faiblir. Hein. Non, il y a beaucoup de gens qui ont fait ça, inshallah ta'ala. Celui qui est soucieux et qui veut faire, qui veut essayer, il touche à Allah subhanahu wa ta'ala. تفضل. Question suivante. Question d'une sœur. Assalamu alaikum, cher. Qu'Allah vous récompense pour le bien que vous apportez à la communauté. Ma question concerne la hijra. J'ai pris connaissance de l'obligation de celle-ci. Je souhaiterais, Inch'Allah, me marier. Mais étant très proche de ma famille, j'appréhende énormément la hijra. Y a-t-il un mal si, lors d'une khitba, je demande au prétendant quelques mois pour m'habituer au mariage et pour la suite? Et par la suite faire la hijra, car j'ai peur de ne pas y arriver. Allah yjazikoum bikhair. Tfadal cheikh. Mouslim, j'ai pas bien compris la question. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Tfadl. C'est-à-dire, par exemple, cheikh, si elle se marie avec un frère qui, bien, veut faire la hijra, est-ce qu'elle peut lui dire, lui mettre comme condition: moi, je préfère faire la hijra à partir d'un certain nombre de mois, c'est-à-dire les 8 premiers mois, ne me parle-moi pas de la hijra. Les 8 premiers mois, je reste en France, je m'habitue au mariage, et après, Inch'Allah, après les 8 mois, on pourra entreprendre ce projet. Tfadal cheikh. Et comment a-t-elle que pendant ces 8 mois ou 5 mois qu'elle va demander comme condition que quoi? Que on va pas lui souhaiter cette chose, mais qu'elle va pas mourir. Comment sait-elle que, en faisant cette condition, que peut-être, yani, elle va pas mourir pendant et elle va se trouver donc, yani, morte dans ce pays et peut-être même, pourquoi pas, audoubillah, enterré dans ce pays. Donc, quand quelqu'un, inshallah, a yani, l'occasion yani, de faire quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala aime, de préférence, qu'il la fasse le plus tôt possible. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, wa sari'u ila maghfirati min rabbikum. Sari'u. Il a dit, encourez, courez, courez vers yani, la miséricorde de Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a dit aussi, il a dit aussi un verset qui ressemble à celui-là. Il a dit aussi, yani, faites pour faire les biens. Par contre, il a dit, il a dit, marchez, marchez dans les sentiers de la terre. Il a dit, marchez, il n'a pas dit, là, il dit, courez.
Donc, je pense à Allah, au moins si tu fais cette condition, au moins que ce soit une semaine ou 10 jours là, mais non pas des mois, car on ne sait pas ce qui peut arriver. Question suivante, cher. Donc la sœur dit: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une sœur aimerait avoir la traduction de ce hadith. Wa jazakumullahu khairan. Donc, cher, je vous laisse le lire, inshallah, et le traduire si possible. Tfadal, cher. Tu dis qu'elle voudrait de l'arabe vers le français, c'est ça? Naam. Donc elle dit que le prophète dit salam alaykoum wa barakatuh. Je lui dis alaykoum salam wa barakatuh wa maghfiratuh. Le prophète sallam a dit: Nadhara Allah 'abdan sami'a maqalati fa hafidha wa wa'aha wa ballaghaha man lam yasmaha. Fa rubba hamil fiqh la fiqha lahu wa rubba hamil fiqh ila man huwa afqah minhu. Ensuite, elle a cité un deuxième hadith. Non, donc je dis le premier. Nadhara Allah 'abdan sami'a maqalati fa hafidha wa wa'aha wa ballaghaha man lam yasmaha. Le prophète sallam dans ce hadith a fait une doua à Allah subhanahu wa ta'ala, lui demandant que il illumine le visage, yani qu'il rende le visage illuminé, beau, resplendissant. De qui? D'une personne qui entend un hadith, une personne qui entend ce qu'a dit le prophète alayhi salam. Ensuite, elle apprend ce qu'il a dit, elle comprend ce qu'il a dit, ensuite elle propage ce qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam à celui qui ne l'a pas entendu, à celui qui n'a pas entendu cette parole. Ensuite, il a dit: Farubba hamili fiqh la fiqha lahu. Il a dit: il est possible que quelqu'un propage, yani par exemple une science, alors que lui, il n'a rien compris à ce qu'il propage. Vous avez compris? Moi, j'entends quelque chose, je la propage sans la comprendre. Et il a dit: Warubba hamili fiqh ila man huwa afqah minhu. Il a dit: il est possible que quelqu'un, yani, propage une science à quelqu'un qui est plus savant que lui. Donc c'est pour cela, il a dit quoi? Il a dit: quand quelqu'un, s'il entend une de mes paroles et qu'il la prenne bien et qu'il la comprenne bien, alors là, qu'il la propage. Il a dit: s'il fait comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala va illuminer son visage. C'est pour ça que si vous avez remarqué, les gens du hadith, ceux qui suivent beaucoup le hadith, qui s'intéressent au hadith, ce qu'on appelle les salafis, vous avez remarqué que ceux qui ont de la science d'entre eux, c'est-à-dire ceux qui donnent beaucoup de leur temps à la compréhension des hadiths et à l'explication des hadiths, la propagation des hadiths, etc., vous trouvez que leurs visages sont illuminés. Regardez les savants, vous trouvez son visage, mashallah, resplendissant. Regardez les gens de la bid'a, vous voyez leur visage noir, noir comme du charbon. A'oudou billah. Pourquoi? Yani, ils sont loin de la lumière qu'a donnée Allah Ta'ala à son prophète islam et à ses ahadith. Naam. Allah Ta'ala dit: laqad ja'akum nurun min rabbikum. Nour, c'est le prophète alayhi salatu salam, subhanallah. Ensuite, elle a cité un autre hadith. Elle a dit: thalathatun la yughalla 'alayhi qalbu mu'min. إخلاص العمل لله والنصيحة لأئمة المسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحوط من ورائهم. نعم. Le prophète a dit qu'il y a trois choses, نعم, qui ne gênent jamais un croyant. Et trois choses dont le croyant, le vrai croyant, trouve toujours, yani, son cœur et sa poitrine élargis pour ces trois choses. Jamais, yani, il n'est contre ces trois choses, ni s'énerve, ni les combats, ni. Quelles sont ces trois choses? La première, il a dit: Ikhlasu l'amal lillah. Le croyant, tu le trouves toujours soucieux à ce qu'il soit sincère dans ce qu'il fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième, An-nasiha li a'immat muslimin. Le fait de donner des conseils disons, au gouverneur. Naam. Et au responsable. Il a dit ensuite, il a dit: Walouzoumou jamaatim. Et le vrai croyant, tu le trouves toujours avec le groupe. Tu le trouves pas tout seul.
tout seul comme ça, il n'a ni frère ni sœur, il est tout seul, il dit j'adore Allah subhanahu wa ta'ala seul, naam, il se trompe. Car comme a dit le prophète Hassan dans un hadith authentique, il a dit le chacal, qu'est-ce qu'il fait? Ou bien le loup, il mange de la brebis qui est toute seule, qui est égarée. Une brebis parmi les brebis, le loup ne peut pas l'attaquer. Mais si une brebis dévie le chemin, elle s'éloigne un peu du groupe, il saute sur elle. Il saute sur elle. Il a dit donc, le croyant, il est toujours avec le groupe. Il a dit, فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تَحُوتُ مِنْ وَرَائِمْ. Il a dit, car yani, le groupe, yani, leur da'wa, naam, je crois que c'est leur du'a ici, naam, c'est yani, presque, disons, tout le temps, Inch'Allah ta'ala, exaucé. Wallah subhanahu wa ta'ala, alam. والناظم في قوله علم كتابه مولانا مشيئته خلقه وهو إيجاد تكوين وبارك الله وعلم كتابه مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. À la fin, je n'ai pas compris ce qu'a dit ici la personne. À la fin, le Nadim, c'est celui qui a écrit. Celui qui a écrit ces choses-là. Celui, par exemple, qui a écrit le livre, Naam, il fait comme ça, il met des phrases comme ça, on l'appelle Nadim, des choses qu'il va expliquer. Il a dit, et Nadim a dit, ilmun ou bien allama kitabahu maulana. Il a dit, maulana, je crois qu'il parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il a fait apprendre son livre. Mashi'atuhu, sa volonté. Wa khalquhu, sa création. Wa huwa ijad wa tkwin. C'est une création et formation, comme ça il a dit, c'est une création et formation. Mais franchement, je n'ai pas compris ce qu'il veut dire dans cette dernière phrase. Wallahu ta'ala alam, tfadlal. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullah. Une sœur demande si son mari est un mahram pour sa mère non musulmane. Son mari peut-il parler avec sa mère? Barakallahu fikum. Naam, il peut parler avec elle et rester en tête à tête avec elle s'il n'y a pas de suspicion. Qu'est-ce que ça veut dire suspicion? Si le mari est vraiment quelqu'un de pieux, il n'a pas des arrière-pensées, et si sa mère à elle aussi est une femme qui n'a pas d'arrière-pensées. Vous avez compris? Naam, car une femme, même si son père, son vrai père, vous avez compris, son père qui l'a enfanté. Son père, Allahu Akbar. Si son père est vicieux, etc., déjà, certains savants ont dit, si c'est possible, elle se voile devant lui. Ça, c'est son père. Qu'en est-il, yani, le mari à sa fille ou là? Donc, je dis, celui-là, par rapport à sa belle-mère, même si elle est kafira, il ne pourra jamais se marier avec elle, même s'il divorce avec sa femme, c'est-à-dire avec sa fille à elle, ou bien même si sa femme à lui, la qaddar Allah, elle décède. Après sa mort, il ne pourra jamais se marier avec la mère de qui? De son épouse, même si c'est une kafira. Tfadlal. Question suivante. Question d'une sœur. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous récompense et vous accorde le firdaous, Cheikhana. Quel cours, masha'Allah. Ma question est la suivante. Concernant les adhkars du matin et du soir, récemment, vous nous avez expliqué ce qui était authentique des autres. Mais comme j'ai l'habitude de les faire tous, chaque jour, est-ce que le fait de continuer de faire ce qui sont da'if est une erreur? Dois-je les délaisser complètement ou puis-je continuer à les dire? Wa faqakum Allah. Tfadal Cheikh. Regarde. Je dis à ma soeur d'abord, alaykoum salam, wa barakatou. Même les hadiths qui sont faibles dans les adhkars, disons, c'est faible, mais c'est pas à 100%. C'est faible, là. Peut-être qu'ils ne sont pas faibles. Et maintenant, à supposons qu'ils soient faibles, vraiment faibles, toi, tu les dis seulement. Tu n'es pas en train de faire da'wah aux gens et de leur dire il faut dire cette chose alors qu'elle est faible. Ni tu as dit, yes, voilà des hadiths authentiques alors qu'ils sont faibles. Non. Toi, Yanni, seulement qu'est-ce que tu as fait? Tu les dis seulement.
Car un hadith faible, qu'est-ce que ça veut dire? Un hadith faible, ça veut dire à 50%, le prophète Hassan l'a dit, et à 50%, il ne l'a pas dit. Donc, toi, si tu veux les dire, tu n'as rien perdu. S'ils sont vrais, alhamdoulilah, tu as des hajj. S'ils sont faux, ils sont faibles, seulement faibles, ils ne sont pas mentis. Yani, tu n'auras pas de ism bi'idnillahi ta'ala. Et, regardez, pour vous donner la pratique, tout à l'heure, quand je suis venu à la maison, moi, je suis arrivé chez moi. Avant de rentrer, il restait juste un mètre entre moi et la porte. Je me suis rappelé le hadith qui est faible. Qu'est-ce qu'il dit? Bismillah wa liya tawakkalna. C'est un hadith qu'on dit normalement pour rentrer et sortir. Mais je savais qu'il était faible. Mais moi, je me suis dit, il est seulement faible. C'est tout. Ça ne veut pas dire qu'il est forgé pour qu'il soit haram. Donc moi, je le dis. Si vraiment, or il est faible, je n'ai rien gagné. Mais s'il est, yani, il n'est pas faible chez d'autres, n'est pas faible, moi je l'ai dit, alhamdoulilah. Mais je ne dis pas aux gens de le dire. Vous avez de le dire. Voilà, inshallah ta'ala, pour la réponse. Donc, inshallah ta'ala, alors, inshallah ta'ala, les adkar, sauf quand les savants sont unanimes pour dire que ce exemple, elle est faible. Tfadlal. Question suivante. Question d'une sœur. Assalamu alaikum. Qu'Allah vous récompense ici-bas et dans l'au-delà pour les doros que vous nous accordez. Ma question est la suivante. Cet été, je suis parti au Maroc chez mon oncle et ma grand-mère pour passer Ramadan avec eux. Et maintenant, je ne suis toujours pas rentré en France car la vie ici me plaît énormément. Je peux porter le djilbab et le niqab librement sans que personne ne me pose de problème quant à ma pratique religieuse. Au contraire, mon oncle est content que je sois avec eux ici au Maroc. Mais mon problème est que je suis une jeune fille célibataire sous la tutelle de ma mère avec qui je vis normalement en France, avec mon beau-père. Depuis que je suis parti, elle me manque beaucoup. Je ne peux pas être complètement heureuse car je sais qu'elle est triste de mon absence et moi aussi. J'aimerais alors savoir, dois-je revenir en France pour vivre avec elle jusqu'à ce qu'Allah me facilite pour me marier? Et est-ce que j'aurai un péché si j'y retourne? Ou suis-je dans l'obligation de rester au Maroc avec ma famille maternelle car ça ne leur pose pas de problème et que ce pays est un pays musulman? Alors qu'en France, je ne pourrais sûrement pas pratiquer ma religion de la même manière, notamment à cause de mon niqab. Conseillez-moi, cher. Barakallahu fekoum. Tfadal, cher. Wa alaykoum salam wa rahmatoullahi wa barakatuh. Akh Mohamed, alaykoum alayhi salam, pour les ikhwas qui me passent le salam. Je dis, inshallah ta'ala, le conseil yani, est très bref et succinct. Naam, inshallah ta'ala, reste là où tu es, ukhti fillah. Tu es là-bas, mashallah, avec le djilbab, les gants. Tu marches dans la rue, la tête levée, personne ne parle de toi, personne ne fait des clins d'œil, personne ne t'insulte, personne ne rit de toi. Tu es dans une grande ni'ma. Tu es dans une grande ni'ma. Naam. Donc pour toi, inshallah ta'ala, la hijra yani, a été facilitée. Et ensuite, yani, tu as les moyens. Allah subhanahu wa ta'ala t'a facilité. Tu es chez des gens qui sont contents de toi, qui t'aiment, etc. et qui t'aident, etc. Donc c'est une yani, occasion en or à ne pas rater bi'idnillahi ta'ala. Quant à ta mère, bi'idnillahi ta'ala, il y a maintenant ce qu'on appelle le téléphone. Naam. Car l'essentiel, c'est quoi l'essentiel? Tu n'as pas coupé les ponts avec elle. Tu fais toujours ce qu'on appelle la piété familiale. La piété familiale, c'est le rahim. C'est le rahim, ce n'est pas toujours aller chez la personne. C'est le rahim se fait de nos jours par téléphone, par mail, mais surtout par téléphone. Alhamdoulilah, anti, yani, appelle là presque tous les jours, ou alors tous les 2 jours, ou alors tous les 3 jours, et comme ça. Et tu la consens et tu lui dis, Inch'Allah ta'ala, on va se rencontrer bientôt, Inch'Allah, pendant les vacances, je viendrai faire un tour, et comme ça. Elle, quand elle saura que tu es vraiment heureuse là-bas, elle aussi, elle sera un peu triste, c'est normal, mais elle sera heureuse que tu sois heureuse, bi'idhnillah ta'ala. Voilà, Inch'Allah ta'ala, mon conseil. Wallahu ta'ala alam. Tfadal pour une autre question. Une question suivante, question qui était sur le cours, cher.
Donc la sœur dit Assalamu alaikum wa rahmatullah, qu'Allah vous fasse miséricorde, cher. La concentration est-elle une condition de validité de la prière? Si oui, si on perd la concentration à la troisième rakaat, se doit-on de la recommencer? Barakallahu fikoum. Tfadal, cher. Muslim, Inch'Allah Ta'ala, elle a posé deux questions ici. Est-ce une validité la concentration? La deuxième, si on perd la concentration à la troisième rak'at, est-ce qu'on doit recommencer? Réponds-lui, Inch'Allah Ta'ala, pour la première question. Réponds-lui, Inch'Allah Ta'ala, pour la première question, je te donne le micro. Pourquoi je te dis réponds-lui? Car ça fait seulement un quart d'heure que j'ai répondu à cette question. Tfadl, réponds-lui. Non, mais la réponse, cher, est que ce n'est pas une condition de validité. Et vous aviez dit, et heureusement pour nous. Donc, la réponse à la deuxième découle de la première. Tfadal, cher. Naam, jazakallahu khairan. Donc, c'est comme m'a répondu le frère, naam, alhamdulillah, que le khushu ne soit pas une condition de validité. Sinon, comme j'ai dit, toute notre prière, yani, ne serait pas acceptée, car nous tous, quand on rentre dans la salat, chacun va de son côté. Celui qui va à la cuisine, celui qui va chez... Alhamdulillah que ce n'est pas une condition de validité. Maintenant, si on perd la concentration en troisième rakat, on se doit de recommencer. Non, on recommence pas. On recommence pas. Non. On continue tout simplement en essayant de, Inch'Allah Ta'ala, d'avoir le cœur présent, bi'idhnillah Ta'ala. Maintenant, si on se trompe dans le recours sujoud, etc., il y a bien sûr comment réparer la salat, Inch'Allah Ta'ala. Non. Tfadl, Inch'Allah Ta'ala. Il reste 5 minutes. Alors, question suivante, question d'un frère. Et vous remarquerez, cher, que les sœurs posent beaucoup de questions par rapport aux frères. Assalamu alaikum, cher, qu'Allah vous récompense, vous et les admins, et sachez que je vous aime, Allah, ainsi que tous les frères et sœurs en religion. Voilà ma question. Si j'arrive à la mosquée et que la salat a commencé, il n'y a qu'un rang, et il n'y a plus de place dans le premier. A commencé, il n'y a qu'un rang et il n'y a plus de place dans le premier. Puis-je tirer une personne du premier rang pour prier avec moi pour faire un deuxième rang? Ma kench piston, cher. Toi, dans le cher. Quand on parlait tout à l'heure du khushu, on parlait tout à l'heure du khushu dans la salat. Un ami, quand je dis un ami intime, m'a raconté qu'il prie avec moi tout le temps, ça veut dire qu'il ne ment pas. Si une autre personne m'a dit, peut-être j'aurais pas cru. M'a dit que il était dans une mosquée, en train de prier avec les gens, quand l'Algérie jouait un match de football, je ne sais plus avec quelle équipe, avec le Maroc, je ne me rappelle plus. Moi-même, il m'a dit que celui qui était à sa droite ou un peu devant eux, quand ils ont entendu que l'Algérie avait marqué un but, parce que quand on est dans la mosquée et que l'Algérie marque un but, c'est-à-dire tous les immeubles qui entourent la mosquée, les maisons, etc., on entend un cri comme ça. Ça veut dire là où tu es, tu entends. Moi-même, il a dit dans la salat, il a commencé à applaudir. Dans la salat, il a applaudi. Ta ta ta, mashallah, dans la salat. Donc celui-là, s'il ne m'avait pas, yani, si c'était quelqu'un que je ne connaissais pas, j'aurais dit non, celui-là, c'est pas possible. Naam. On parle du khushu. Imaginez. Donc celui-là, est-ce qu'il était dans la salat? Dans la salat, yani, il applaudit. Donc celui-là, il se croyait au stade. Celui-là, il se croyait au stade, il a oublié qu'on était quoi? Qu'on était dans la mosquée. Al-Muhim. Allah yahdihum, Allah yahdina jami'an. Pour cette question, il a dit, si j'arrive à la mosquée, que la salat a commencé, qu'il y a un rang. Il y a un rang. Et il n'y a plus de place dans le premier. Puis-je tirer une personne du premier rang pour prier avec moi pour faire un deuxième rang? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de tirer quelqu'un du rang pour qu'il prie avec moi pour deux raisons. La première, le hadith qui dit on tire quelqu'un n'est pas un hadith authentique. Naam. Et la deuxième des choses, tu as fait une bid'a. Ça n'existe pas dans la religion. Et la troisième des choses, en tirant quelqu'un, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas laisser un vide
dans le rang duquel tu as tiré quelqu'un. Vous avez compris? Tu veux réparer, mais tu vas gâcher. Non. Car en tirant quelqu'un, pour le mettre devant toi, tu as laissé un vide dans le rang duquel ou là duquel tu as tiré quelqu'un. Ensuite, je vous dis une chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que il n'y avait pas de salat pour quelqu'un esseulé. Ça veut dire que pour prier, on doit être dans les rangs. Si on est seul, on ne prie pas. Il a vu quelqu'un prier seul, il lui a dit, refais ta salat. De là, les savants ont diversifié, ont divergé. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, a dit, quand tu rentres à la mosquée, si tu ne peux pas rentrer dans les rangs, tu ne peux pas rentrer dans les rangs, il a dit, tu restes seul à ne pas prier, tu attends. Tu restes debout et tu attends, tu ne pries pas. Si quelqu'un rentre, tu pries avec lui. Si personne n'est rentré et tu n'as pas pu rentrer dans les rangs, il a dit, tu pries seul. Quand il termine, tu pries seul, ou bien à la mosquée, ou bien tu vas prier à la maison. C'est l'avis de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Mais l'avis de Cheikh Al-Albani, rahimahullah, et de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, et de Cheikh Ibn Taymiyyah, c'est tout à fait le contraire. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, toi tu fais des efforts pour rentrer dans le rang, mais si c'est complet, tu pries tout seul. Pourquoi? Car Allah Ta'ala dit dans le Coran, La yukallifu Allahu nafsan illa usaha. Allah ne charge pas à une personne un fardeau qu'elle ne peut pas prendre. Est-ce que moi c'est de ma faute quand je suis rentré à la mosquée, j'ai trouvé les rangs complets? Comment je fais? Je ne prie pas. C'est impossible. Ensuite, la règle, la qaïda fiqhiyya, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit? وَأَنْ لَيْسَ وَاجِبٌ بِالْاَقْتِدَارِ وَلَا مُحَرَّمٌ مَعَ اضْطِرَارِ لَيْسَ وَاجِبٌ بِالْاَقْتِدَارِ Il n'y a pas de choses obligatoires sans la capacité. Ici, je n'ai pas la capacité de rentrer dans les rangs. وَلَا مُحَرَّمٌ مَعَ اضْطِرَارِ Il n'y a pas de choses haram dans la contrainte. Ici, je suis dans la contrainte. Comment je fais? Je ne prie pas. Ce n'est pas possible. Donc, tu pries, Inch'Allah Ta'ala, tout seul et tu es excusé. Et parmi les choses aussi interdites qui font que tu n'as pas le droit de tirer quelqu'un du rang, car aussi quoi? Aussi tu peux, yani, je ne sais pas comment on dit ça en français, yani, très là-haut. Lui, il est mesquin dans la salade, dans le khushu'a, et toi, en le tirant comme ça de sa veste ou là, de sa main ou là, de son dos, yani, tu vas lui faire peur. Yani, il va faire un soubresaut, comme on dit. Subhanallah, qu'est-ce qui se passe? Alors, il trouve quelqu'un qui est en train de le tirer. Et encore, tu peux tomber sur un vieux ou alors quelqu'un qui ne sait pas. Naam, il va peut-être t'insulter ou bien je ne sais pas qu'est-ce qu'il va dire. Naam. Donc, voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour aujourd'hui. Et barakallahu fikoum, jazakumullahu khairan. Voilà. On va te mettre un coup de canne. Naam. Comme une fois. Une fois, subhanallah al-azim, la hawla wa la quwwata. Je termine avec ça. Une fois dans une mosquée, au milieu de la ville, ici de Blida, au milieu de la ville, celui qui était présent m'a raconté. Il a dit, il y avait quelqu'un, un vieux, qui levait les mains comme ça, il faisait des doigts. Je crois que l'imam faisait des doigts. Et le vieux, vous savez, il y a beaucoup de gens qui lèvent les mains en même temps avec l'imam. Et donc il y avait quelqu'un qui levait comme ça les mains pour faire les doigts. Qu'a fait une personne, subhanallah, qui n'a pas de hikmah, un jeune, un barbu, peut-être même avec le qamis, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé vers le vieux et sans lui parler ni rien, il lui a fait descendre les deux mains. Il a mis comme ça, il a mis ses mains sur ses mains et il lui a descendu ses deux mains. L'autre a dit, vous savez ce qu'a dit le vieux? Non. À haute voix, il est tellement, il l'a énervé. Il lui a dit, La'natullahi alayka, que Allah subhanahu wa ta'ala te maudisse. Je crois qu'il lui a dit, toi et yani, ta descendance. Ou là, toi et ton ascendance. Toi et tes parents et ton grand-père, je ne sais pas quoi, Allah al-Musta'an. En criant très fort, il a dit ça dans la mosquée. Car vraiment, 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 c'est pas de la hikma. Comment? Moi j'ai mes mains levées comme ça en train de faire des doigts. Tu viens toi au lieu de m'apprendre et de me dire ça se fait pas ou bien ceci ou bien un hadith, tu viens, tu me descends mes mains comme ça.
Non, vraiment, vraiment, vraiment. Regardez ce miskin, il a voulu faire yani, du bien. Regardez, il est rentré dans quoi? Il est rentré dans une invocation où l'autre lui a dit La'anatullah alik wa ala zarriati, comme on dit ici. Et toutes les grains qui viennent de toi, comme on dit ici. Zarriatak. Non. Allah Moustahan. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala nous apprendre dans notre religion et nous aider yani, à apprendre notre science et à l'appliquer, bi'idhnillahi ta'ala. On va se rencontrer, inshallah ta'ala, samedi. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.